thank you Et bienvenue pour l'épisode 264 de Coops <laughs> ah <You're> <laughs> les, 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 les les avatars vont arriver dans pas longtemps voilà qu'on doit faire la liaison mais on sera tout bleu euh, Bon voilà je vous laisse faire le l'intro du scénario je vais appeler monsieur Telon pour savoir pourquoi il y a une déco il l'a eu quasiment juste là, donc euh, je ah, vais je en rendre compte. Euh, toi 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 le, le résumé du, pré du précédent épisode, pendant que j'appelle Clon, pour savoir pourquoi il est Qu'est-ce qui lui arrive A tout de suite Vas-y, euh, le résumé, euh, fais le résumé. Comme ça. Moi, je, moi la même ouais. technique. Alors, il nous a appelé pour. Euh, <coughs> suite à l'enlèvement euh, d'une jeune fille qui s'appelle Cindy euh, Lenario. Euh, qui a été retrouvée après 4 jours après avoir signalé son enlèvement euh, torturé et violé. Sa mère, c'est Lynette Barthes. Et on a eu un second enlèvement, Naomi Clément, qui a 9 ans. Alors, une alors, jeune fille Tu es trop loin, là, oui. Ah merde Désolée C'est mes notes, elles sont le jour, pas a, les jours, y je vais vous les non, non, il y a, y a oh, pas. Y a... me disais, en fait, quand je le lisais, je réfléchissais à même tâche j'étais en mode, oh, ça m'a l'air vieux dans ma tête, à faire. Re, désolé, j'ai une question. Avec... J'essaie je, je sais de t'appeler pour savoir si ça allait. Si la euh... guerre euh, dans ta province à l'Est avait commencé. Ah, mais non, la semaine dernière, on, est allé dans un, on a course, coursé après des mômes et on les a retrouvés dans un centre commercial et là, on a trouvé un cadavre défiguré à l'acide. Tout à fait. Ça et même que j'ai adopté un chat Ciel J'avais complètement oublié. Est-ce que des gens ont des choses à rajouter à ça euh... Euh... Que c'était les goonies vont au supermarché, mais à part ça, que... Oui, que c'était dans, une... dans un secteur qui était... Comment Qui était pas... Je euh... veux dire que la le cadavre, c'est Sinoc. Ouais, c'est ça. Le <laughs> oui. Il, il, oui, il oui. a la tronche, apparemment, maintenant. Donc, il euh, y a eu ça. Vous avez après bouclé la scène de crime. Vous avez été emmerdé par une journaliste. Et on s'était arrêté là, de mémoire, un truc comme ça. Enfin, vous, vous avez bouclé la scène. Vous êtes barré. Retour à la maison. Mais pas une histoire de masque aussi Il avait un masque, un masque blanc en plastique par-dessus le visage. Mais qui était tombé au sol, vous l'avez trouvé. Mais il devait être sur son visage. Oui. Euh... Donc je vais juste revoir en termes d'horaire pour vous, pour pas dire une connerie. Calendrier des événements. Je, tu vas lâcher des infos euh, rapidement là Ou au, va bah, En fait, là, ce qui va se passer, c'est que je vais passer directement au lendemain, en fait, quoi qu'il arrive. Parce qu'en gros, vous avez bouclé la scène, vous avez passé la journée là-bas, et je pense que vous avez tous envie d'une bonne douche et de dormir. Ouais. C'est oui. une bonne chose, ouais. Surtout après ah. cette course poursuite à la con. Ouais. Dans les égouts. Pour certains. Ok. Oui, pour Moi, pour je, je, je vais me mettre une alerte sur le nom des deux gamins qu'on a poursuivi. C'est-à-dire, en gros, s'ils réapparaissent. Bah, en fait, dès qu'ils sont plus marqués comme à protéger ou on a on a, ne on doit <laughs> pas les taper, euh, <laughs> je vais me charger d'eux. Quoi Mais <laughs> what the fuck C'est flippant. <laughs> Je t'ai déjà... déjà dit que le SAD enquêtait sur vous, euh, au cas où, euh, parce que bon... Non mais... Tu fais pas courir Lynn dans les égouts impunément. C'est tout. pas court. <laughs> c'est toi qui Alors... t'es jeté la tête. Non, 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 ouais, ou... je, je je, je, je je ne dis pas ça, tu l'encourages, s'il te merci. Non, j'ai juste dit d'accord, mais... Non, t'as dit pas faux. Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux, oui. Moi, je reste en dehors de ça. Dans tous les cas, que euh, euh, la, la, euh, je... la semaine dernière, la semaine d'avant, on avait fait 15-23 parce que c'était plus sympa, sauf le, le 6 parce que j'avais besoin de commencer le matin. Je vais rester euh, sur du, euh, du 6-15 sur euh, ou c'est 7-15, je sais plus. Bah c'est 6-15 je crois. 6-15 sur la semaine du 7 au 13 juin 2032. Comme ça, vous êtes en pleine journée, ce qui est Plutôt sympa à la fois pour les 10-18 euh, jours et à la fois pour pouvoir mener l'enquête sans avoir réveillé les gens. Voilà. C'est plus par, euh, par confort pour moi et pour vous. C'est 7-15 7-15 Ok, j'avais un doute si c'était 6 ou 7. Bah C'est des, des quarts de 8 h hein, enfin, des... Alors donc euh, début pierres, nous sommes dormir. le c'était le 6 juin donc le 7 le 7 au matin euh, avant d'arriver de, 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 au cops vous entendez quand même une annonce dans la radio qui qui comment dire fait, comment on dit. fait un peu froid dans le dos je vérifie juste là euh, je vérifie juste parce que j'essaie de comprendre ce que c'est cet événement pour pouvoir bien le retranscrire. Parce que c'est marqué en fait dans le, dans le déroulé euh, du, euh, du background. Ce n'est pas dans le, dans le scénario, mais c'est dans le déroulé du background officiel. Et, euh, et j'aimerais bien comprendre. Ok, c'est ça. Donc l'amiral Hormis, l'un des directeurs de l'Idroit, euh, a donné sa démission le 6 qui a été refusée Et il est actuellement en grève ainsi qu'une bonne partie de l'Hydra, en fait, et de particulièrement de toute la branche maritime de l'Hydra, qui a stoppé le travail, provoquant un blocage complet de tous les ports de Los Angeles. Voilà l'info du matin. Attends, redis. Euh, Est-ce qu'on sait pourquoi ils sont en, enfin, en, en grève gros... pas... Pardon, j'ai eu un bug, j'ai pas entendu. Tu peux redire Je redis. L'amiral Hormis, un des directeurs de l'Hydra, a donné sa démission le 6 juin pour des raisons personnelles, et sa démission a été refusée. Donc, le lendemain, il s'est mis en grève. Et euh, à ça, toute la flotte de l'Hydra, l'Hydra, c'est la police aux frontières, hein, c'est tout ce qui gère les flux euh, maritimes, ma, euh, terrestres et Internet et autres, euh, toute la partie maritime de, euh, donc de la douane, hein, pour faire simple, euh, s'est mis en grève et donc ont bloqué tous les ports de Los Angeles. What? Et ensuite, que tous les, euh, toute la partie, on va dire euh, comment s'appelle euh, gestion de, du port par l'Hydra a été, bleu, a été et, et à l'arrêt. Donc là, tu as tout le port, tous les ports de Los Angeles qui sont bloqués. Et ça pour une durée indéterminée. L'amiral refusant de répondre aux questions des journalistes. Voilà voilà. Ça, peut subir. ça me fait des petits 10-18 rigolos. Des petits huit aquatiques. Dans tous les cas, euh, vous arrivez au central. Donc il euh, y a une certaine effervescence à cause de cette grève, parce que bah, euh, en gros, la mairie a donné des ordres comme quoi il faut réussir quand même à trouver un moyen que de libérer les ports, etc. Et à demander au Lépidy de faire quelque chose. Que votre lieutenant va résumer pendant, euh, pendant le briefing, de, dont bah on va pas mobiliser une flotte pour attaquer des bateaux de guerre. Donc, c'est nous qui allons. Bon, on peut demander non. au Canada Non, non, pour le coup, euh, c'est simple. L'ordre le, le, qui est donné aux COPS par votre chef, c'est euh, s'il y a des manifestations en ville, c'est de rétablir la, la, la paix au moins en ville s'il se passe des choses. Mais jusque-là, en tout cas dans la matinée, à part que tout est bloqué, à la limite, il y a peut-être les euh, sur les quais tout ce qui est... Euh, Armateur, euh, euh, comment s'appelle Affraiteur et tout ça. Peut-être qu'il va y avoir des soucis. Donc, vous avez, pour ceux qui sont en patrouille, ça va être plutôt renforcé autour des côtes et du port commercial de LA. D'accord. Pour vous, par contre, vous avez quand même une enquête. Donc, euh, si vous pouvez traîner dans le coin, c'est mieux. Sinon, bah, pour le moment, je vais prioriser un peu l'enquête. S'il y, y a de la priorisation à faire, c'est vous qui voyez si, suivant les éléments que vous avez. Et euh, après, il fait on va refaire rapidement un petit tour quand même des enquêtes. Donc, euh, Lynn. Donc, Shamrock, euh, chantage Kakaka, ça ne bouge pas pour le moment. On est d'accord. Tout à fait. Voilà. Il a rien d'autre. Bah enfin, si, à part l'enquête. La, la bon. nouvelle, quoi. Ouais, la nouvelle. J'attends ouais. les, les rapports. Euh, oui. Je vas voir un premier de, rapport. De... De... Mais euh, je tiens à signaler que le père, euh... le père Bennett, il n'était pas en forme. Euh... Ok, tu veux le signales à ton hier. supérieur. Ok. Ouais. note euh, Comment on va l'appeler l'enquête pour mon... père euh, Bennett C'est le un des personnages qui, euh, qui fait partie de l'équipe scientifique, un hein, des chefs de l'équipe scientifique, qui est souvent sur vos, vos scènes de crime. Mmh. Going to the mall. C'est le mec qui s'est énervé qui a attrapé la journaliste. Euh... Ouais, ouais, je vois. Voilà. Euh... Ouais. Attends. Euh... Voilà. <laughs> Je vais l'appeler Acid Face pour moi. Ça sera plus simple pour me rappeler. Mais c'est pour moi surtout. Euh, Juan euh, si, toujours... si, C'est simple. Hein. Si, tu si euh, Lynn n'a pas besoin de ton équipe pour euh, son enquête, euh, il te demande de prioriser pour votre équipe l'enquête du train. Ok. Mais ça va dépendre des, des besoins de Lynn pour l'enquête. Vu que c'est elle qui est chef de. Ok, c'est noté. Mike! Oui! Tu peux me redire toutes les enquêtes que j'ai en cours? Les Mental Boys, le réseau de nettoyage, euh. Quête, putain, il y a tellement de trucs écrits sur ton tableau, le problème c'est que la plupart du temps. L'homme gelé, c'est quoi l'homme gelé? Ça me, dit... ça me dit rien. C'est le deep, c'est Steve, c'est l'ange Steve. Hein? Le mec fini, qui est tombé du ciel. Le type qui est tombé du ciel. Ah non, c'est pas fini! Oui, l'homme gelé. L'homme gelé, c'est une call <laughs> <laughs> On l'a jamais faite celle-là. Hop. C'est tout euh, ouais, Bah, je vais lui dire que j'avance pas. Ah, mais je me rappelle plus. Il y avait quoi à chercher sur euh, Steve bah T'as plus rien en fait. T'as fait le tour des de, de différents, de plusieurs trucs. Après, si t'as d'autres idées, tu peux toujours chercher. Non, bah vraiment, je lâche, peu, je euh... lâche l'affaire Steve, les résumés Toyes, mais je garde les Mental Boys parce que c'était rigolo. Alors, c'est pas toi qui choisis. Enfin, pour le moment, tu dis que ouais, tu penses que t'as rien d'autre à trouver dessus, c'est ça C'est lui voilà. qui dira si, euh, si ça devient réellement une call case ou pas. D'accord. Pour le moment, il, euh, pour le moment. Euh, les Mental Boys, vu que t'as pas avancé depuis plusieurs mois, ils s'attendent pas à, à, à des progrès là-dessus. Par contre, comme il vous a dit, pour euh, vous, comme t'es avec Rohan, euh, avec euh, il aimerait bien que vous avanciez sur le vol du train, qui est beaucoup plus récent. Le vol du train celui où euh, les... on, a... on a joué au Far West là, sur le train. Bah, le train en des ou à Los Angeles Vous ne saviez pas Voilà. Il, il, peut... il peut Mais j ai... J ai... il faut que je fasse une demande ouais. en fait, parce qu'il nous faut un, un équipier euh, en plus et il faut le recruter dans les petits jeunes de l'Académie de police. Je suis en train de me demander. Alors, le MJ se pose des questions là. Ça Alors... ressemble à un plan à la dit comme ça. Hein non, 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 non. Ça ressemble à euh, l'année du dragon où, euh, pour infiltrer un gang, il... le héros qui est joué par euh, Mickey Héros, si je me souviens bien, euh, doit récupérer un petit jeune pour infiltrer un gang et donc il recrute un mec de l'Académie de police. Bon, le problème, c'est que ça finit très mal pour le petit jeune dans le film. Spoiler alerte. Mais, euh, mais c'est la même chose. Ceux qui ont attaqué le train étaient très jeunes. Et donc, il nous faudrait un jeune euh, qui corresponde à ce qu'on a vu sur place. Pour, ouais, et et qui le toi. truc le... faire une point break. Voilà, c'est ça. Un 21 Jump Street. Grosso modo. C'est peut-être pas aussi jeune que ça quand même, hein, parce que moi je le veux de la police de, de l'académie, je le veux pas lycéen ni collégien. Bah, dans la même suite, euh, Johnny Depp il sort de, de la de police. Premier épisode. hein. Premier épisode, putain, c'est tellement vieux. Alors, Denis. Mm -hmm. ouais, c'est tellement calme, j'en ai quand même. Qu'est-ce qu'il vous reste Qu'est-ce qu'il me reste Il me reste juste le dépôt ou... de mémoire. Il me reste que le dépôt de. Il y a. Euh... Oui. Il y a le dépôt que vous avez déjà attaqué Non, un autre. <laughs> non, parce que celui-là, c'est clôturé. Il faut que juste que je fasse le rapport. te enfin, le... je... il regarde, il dit faire vos rapports. C'est une bonne idée, ça. Écoutez, ouais, tout je... le monde. Ça serait bien que tout le monde s'inspire de l'un. De, de, de Denis il si s'est présente et face ses rapports. Mike fait un air goguenard vers Denis. Les rapports de Denis ou les nôtres <laughs> Il répond pas. Il répond pas. <laughs> il répond pas. Moi, <laughs> moi, je serais d'avis de rajouter que les rapports c'est d'ordre privé, non, normalement. <laughs> ouais, ouais. Oh là là, mon dieu Vu la gueule de tes rapports que tu fais au LPD, il mieux <laughs> pas que tu l'ouvres, en fait. Mais justement, on va dire que je... je Juan, une chute pour la mer, mais... Je te donne des petits coups de coude en mode « Mais ta gueule !» <laughs> Mais tais-toi tais On aura même quelque chose à ajouter Non, absolument pas. Bon, bah les vous pouvez disposer. Important. Merci. Il faut après se protéger quand on fait les rapports. Avec ah, cops, ça, apprenez vois, à vois. mettre des préservatifs avec vos camarades de sexe. Le avant jeu de le rôle voir, éducatif. Je vous rappelle, je vous rappelle, excusez-moi, je dois vous informer que le SAD actuellement enquête sur Lynn, Juan, Denis, Mike et d'autres cops aussi. Mais pourquoi mais... Ah bah ça on ne sait pas, mais ils sont, on est obligés de, ils sont obligés de déclarer sur qui ils enquêtent. bah, c'est facile. Euh, pourquoi ils enquêtent sur nous bah, pour, pour monter en compétence de... Parce qu'on est très bon et qu'ils veulent s'inspirer de nous pour avoir des tactiques qui fonctionnent Sûrement. Aucune raison. Je veux dire, personne ici à quoi que ce soit à se reprocher dans cette équipe. Absolument. Certainement pas moi. C'est -ce euh, on... vrai que je tousse on, on nous a dit de pas blesser les gamins, on les a pas blessés, hein mmh. Bon, ils ont été comme ça. ils ont vu un cadavre. Dis, on, on a dit de pas blesser les gamins, et avec l'effort conjoint de trois personnes, on a empêché l'île de les souder. Donc, oui, en effet, on, a... on devrait avoir une médaille pour ça. <laughs> Exactement. On devrait être payé plus pour s'occuper de l'île. Ah! La médaille, pourquoi pas, mais euh, payer plus, c'est mort. Ouais, c'est ça. La, la médaille coûte pas grand chose, surtout quand bah, écoutez, une médaille symbolique pour euh, euh, s'être occupé de ligne durant euh, ces quelques mois, ça me va très bien. Tu vas te retrouver Donc, avec un diplôme de babysitter sur ton bureau, toi, tu vas voir. Moi, bah, j'ai pas peur du diplôme de babysitter, j'ai peur de la, de, de la réaction de l'enfant que je babysitte. <laughs> Hop. On repasse sur la bonne page, et... Donc, Lynn commence par euh, l'enquête. Est-ce qu'on peut faire un mur des cons, ou les pidi Première chose, l'estimation de la mort. Mmh. Un certain temps. Attends, j'attends qu'il puisse écrire des choses, parce qu'a priori, Alors... il doit manger. Un certain temps, un temps certain. Est-ce que tu veux que je passe aux autres et que je revienne, c'est ça Je, je, je bon, sais bon pas bah pourquoi, mais j'imagine bien Lynn en train de bouffer un donut, si tu veux. <laughs> Mais Non, j'ai envoyé la photo de ce que je mange donc euh... tu l'as mis où Tu l'as mis où Tu l'as mis où non, comme ça, dans, euh, dans Discord Food. Mais vas-y, envoie tes infos là. Rapport Bennett. Alors, premier rapport l'estimation de la mort elle remonte au 25 ou euh, 26 mai trop ancien pour être sûr euh, mais en gros on est très plutôt le 26 que le 25 mais euh, avec une voilà, une bonne marge d'erreur quoi. d'accord euh, ils ont réussi à récupérer des empreintes de l'adn bon, les tattoos. Hein, comme euh, voilà euh, ils ont pas c'est pas ils, ils ont transmis en gros tous les éléments pour pouvoir faire les recherches dans les fiches adn mais euh, bah ils ont pas fait pour vous hein. d'accord. Je vais les lancer quoi, du coup, les recherches. Et euh, il serait mort d'épuisement et que le visage a été fondu après la mort. Mais a priori, ils ne sont pas finis euh, l'autopsie, donc il y aura sûrement d'autres éléments sur ça. D'épuisement Eh ben, dis donc. Mmh. Mmh. Je rappelle que nous sommes. Ce que vous avez découvert le corps le 6 juin et il est mort donc le 25 ou 26 mai. Donc, grosso modo, deux semaines. Euh, quelques pouillèmes près. Il y a un ça. petit côté 7 dedans, non Peut-être pas deux semaines, non hein, Parce que, attends, ça fait quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jours. Voilà. 12, 11, 12, 13, quoi, à peu près. Mais ouais, presque, en, presque deux semaines. Mais voilà. Donc, euh, voilà pour le moment les éléments que vous avez. J'en donnerai plus au fur et à mesure, comme j'avais dit. C'est maigre, mais ok. Kedoki, euh, okay, okay. je me permets de faire un AFK parce que sinon il y aura un incident. Je reviens ici quelques minutes. Mm. Alors, c'est rituel ou c'est euh, un tueur en série euh, qui, qui essaye de reproduire quelque chose bon, A priori, il fait partie d'un gang, donc j'aurais tendance à dire que. Euh, c'est probablement un gang qui s'est vengé ou un truc comme ça. Après c'est peut-être un rituel de gang, mais c'est quand euh. même bien, bien glauque. Hein, euh... Bah il a peut-être couché avec la la la, 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 la sœur du, du patron du gang, tu vois, un truc comme ça. truc qu'il ne faut pas faire. quoi. Marcus Wallace. Il a peut-être simplement massé les pieds de la femme de Marcus Wallace, et voilà ce qui s'est passé. Si tu as cette référence cinématographique, je t'aime. Clon, il veut se la faire, moyenâgeuse. <laughs> ouais, toi, je sais que tu l'as, Chrome, c'est normal. Mais Marcus, c'est pas William, hein. Wallace. Ouais, ouais c'est le côté. Il s'est quand même joué médiéval. On, est, on peut essayer de creuser sur le gang pour avoir des informations. Euh... Euh, quelle information on a sur le gang pour l'instant On a les tatouages du gars. Et euh, en fait, il faudrait identifier de quel gang il appartient, en fait. Ah bah écoute, je peux poser la question à un de mes contacts. Hein Alors normalement c'est déjà fait. Moi je l'ai fait côté police. Je l'ai posé la question. Euh... Officiellement aux gens du gang, mais lundi euh, gang, mais euh, je sais pas si si, euh, si, 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 si Chrome s'en rappelle. Mais si Alors. jamais il galère, je peux contacter euh, Gino des Caliente 45 là et puis voir si lui il connaît le truc. Donc, il... Ah putain, c'est vrai que les mômes ils vont bousiller mon portable. Il va péter dans la... dans les fringues. Tu es con. Bah, vérifie bah, si es toujours, ok. Quoi. Tu vois qu'il faut se venger. Non, non, non. Le business de la vengeance, c'est pas génial. On voit que t'as pas vu Princess Bride. Bon. Hein. Bah. on va pas se mentir. Le business de la vengeance, ça, ça ne voulait pas son homme. Euh... Mon nom est euh, Diego Montoya. Montoya. Tu es mon père. Père, prépare-toi à mourir. Ça sonne mieux en anglais, mais... Non, mais c'est pas mal en français aussi. Puis au moins, c'est clair, hein. tu te présentes, tu dis pourquoi tu es là, et tu annonces ce que tu vas faire. Voilà, c'est on fait rien de mieux pour démarrer une conversation. Qu'est-ce euh, qu qu'on pourrait avoir d'autre comme information euh, sur ce brave garçon, mis à part ses tatouages on sait qu'il est mort il y a grosso modo deux semaines à un ou deux jours près. On peut essayer de voir ce qui s'est passé il y a deux semaines éventuellement. Il y a peut-être eu des rumeurs qui ont couru il y a deux semaines sur un truc dans un gang. Genre, la femme de Marcus Wallace s'est fait masser les pieds. Bah ouais. Déjà, regardez dans la presse. S'il y a pas. Euh, si dans la presse d'il de, de, y a dix jours, il n'y a pas. Euh... Une attaque de gang quelque part, un braquage, n'importe quoi qui aurait pu. ce qui m'étonne le plus, c'est le masque en fait. Pourquoi foutre un masque sur un mec que Tu défigures à l'acide. Généralement, si tu le défigures à l'acide, c'est pour le voir cramer avec son visage. Ça a un petit côté revanchard. Eh ben, peut-être que c'est une vengeance. Peut-être que c'est un. Un tout dire, petit un... côté revanchard, un ouais, tout ouais, petit. Exactement léger, léger. Voilà, chercher le terme. Léger côté revanchard. Ben, imagine, imagine, t'es un. T'es un mec dans un gang et le gang brûle à l'acide les gens euh, qui font des bêtises. Un jeune Après, lambda, pas mal fait... de gens à brûler alors. <laughs> un, un jeune intègre le gang, fait une bêtise, il se fait brûler, il se fait éjecter du gang. Il fait de la prison, il se muscle, il va à la salle, tout ça, et puis il revient, il a envie de se venger. Et là, pour signer sa, 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 son meurtre. Ben, signer son meurtre, ben, il met le masque parce que du coup, à cause de lui, il porte un masque depuis euh, depuis, depuis 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 qui voilà, depuis en je la je trouve faire que doit faire un, une, un, un beau, enfin, une belle scénariste dans le milieu d'Hollywood pour faire des films. C'est ce que j'allais dire, c'est très romantique mon petit hobby. Ouais, je, as une vision du romantisme qui à mon avis est, est très euh, Républicaine, je dirais. D déjà une question, Lynn. Est-ce que t'as besoin de nous sur ça ou est-ce que nous on peut vaquer à nos affaires Bah. Vaquer, vaquer Bah, je, si tu peux passer à l'anti-gang, euh, demander, euh, demander. Moi ça me va dents, je vais bien, barilas, ouais, je bien aller. Et puis après, euh, après, vous êtes libre. Moi je vais, je vais lancer les recherches informatiques sur l'ADN et les empreintes et puis. Euh... Et éventuellement voilà. ce qui s'est passé il y a deux semaines euh, ou poser des questions euh, <laughs> sur des contacts voir s'il y a eu des rumeurs il y a deux semaines. <laughs> bah ça on peut le faire mais effectivement vous pouvez contacter vos contacts aussi. Ça ne mange pas. Euh ah euh, Juan Ouais je crois qu'il te manque quelque chose. Quoi donc Sinon euh, j'ai il... ma plaque. <laughs> bah non mais justement justement je crois qu'il te, qu te la voit pas. Ben... À, à, à vous écouter et à pas parler et à vous regarder, en fait, je un de marqué qu'il manquait la plaque de, de Rwan. Tu l'as bien sur toi Tu bien sur toi. Bah, les filles Ah oui Rwan, ouais, t'as un doute d'un coup. <laughs> Parce qu'elle est le temps de ton coup, en fait. Est-ce que j'ai la plaque sur moi C'est moi un jet de toc. Il <laughs> a pas de toc dans <laughs> je... Cops. Oui, tu l'as dans ta poche. Alors, Chrome, ton accident est sécurisé ah bah bravo! Et Qu'est-ce qui s'est oh, passé? Je, 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 ah non, non, je... pas de détails! Détail, non, mais je vais pas donner le... de détails, ça va pas! Comme l'a demandé Lynn, moi je vais passer à l'anti-gang avec les photos des tatouages et je vais leur demander s'ils sont capables de nous dire à quel gang c'est aff... Je J'entendais je, je, hein, depuis tout à l'heure, hein, c'est juste que je pouvais pas ouvrir le micro. Euh... Ok, je viens de comprendre. En fait, on parle d'efficacité là. C'est ça! Exactement! Ah, évidemment! Donc, euh, plusieurs choses. De toute façon, Lynn, tu fait la demande déjà à l'Antigang la dernière fois. Et euh, bah, comme ça, Rwan récupère juste l'info. Euh, à l'Antigang, bah, c'est simple. Ils te un donne l'accès à une base de données de différents types de tatouages. Parce que là, comme ça, ça leur dit trop rien. Après, il n'y a peut-être pas les, bons pa les bonnes personnes au moment où tu passes. Ouais, c'est ça, mais il faudrait arrêter au, au LAPD de nous faire du do-it-yourself à chaque fois, mais bon. Allez, allons-y, consultons la base. En même temps, t'as de... rien à leur donner, hein. oui, <laughs> Je sais, sais. Leur dire bon... qu'il y a un gangster qui est mort, c'est-à-dire euh, ce qui se passe à peu près euh, 400 fois par jour à LA. <laughs> bon. Alors, moi, j'ai des questions à leur poser. Oui Je voudrais leur poser euh, des questions sur un gang qui s'appelle les Mental Boys. Est-ce qu'ils on ont déjà entendu on parler Gang, gang... Euh... Vous y allez un peu fort. C'est des enfants qui font des conneries, quoi, surtout. D'accord. Et vous, on les a, vous avez eu d'autres signalements euh, sur eux depuis bon, régulièrement, toujours dans le même quartier. Et il euh, y a des recherches qui sont lancées sur eux ou pas Pour aller voir, pour aller voir le commissariat du quartier en question. Il que... peut me donner le... Enfin, le, nom du quartier et tous les détails. Bah, c'est là où tu les avais vus la dernière fois. Donc, euh, comme j'ai pu, j'ai pas les... le truc sur les mental boys devant moi, je peux pas te donner ça comme ça. Donc il faut, que je, il faut me laisser le temps d'aller retrouver l'info. Ok. Ouais, sinon, pour utiliser la base, c'est de la bureaucratie ou de l'informatique Le 2, ça me va, c'est en sang-froid dans tous les cas. Ok, bah <laughs> je vais prendre bureaucratie, parce que je suis meilleur donc en, fait, en bureaucratie. En fait, tu te poses chez eux pour regarder la base de données, c'est ça Bah Oui, c'est ouais. ça. Et, et ok, d'accord, bah, j'ai bien compris, merci. Et donc, 3 succès. Ok. Pendant ce temps, Lynn Ouais ben bah moi je lance l'ADN et les empreintes. Vas-y. J'ai euh... pareil sang-froid euh, informatique ou bureaucratie mais plutôt informatique toujours. Bah ah oui. Soit brillant. Je vais demander à Denis de m'aider. Ouais, Je vois pas le jet long. Euh... Pourtant je vois très bien. Je vois celui de ligne, je vois mon point, mais je vois pas ton jet à toi, monsieur. Ouais, Lain. mais c'est parce qu'il a été déconnecté, je pense. Euh, du ah, coup, euh... attends, je vais, je vais me déco et je vais me reco. pas grave, <coughs> ah, mais c'était. Bah, c'est pas mieux côté de Nice, hein. Bon, bah, ce qui fait que Tlon a l'info avant toi, hein, enfin, une info avant toi. Donc, euh. Juan Si, Seigneur. Pardon, j'avais mon micro. -coupé. Le. Touk, touk, touk non je disais les... pas, pas brillant non hein? plus donc du coup pas Danny, parce d'ami oh, c'était bien quand le micro était coupé <rire> <rire> euh, ces tatouages ça pourrait correspondre il y a plusieurs gonds que ça pourrait correspondre mais il pencherait plutôt pour les Lost Ombras euh, 111 euh, qui se situe côté euh, bah, je vais euh, West Hollywood en fait Et tu veux nous remettre la carte ouais je vais vous remettre la carte Yeah. Alors, euh, comme ça, je coups. peux envoyer un petit texto à notre amie Lynn en disant A priori, c'est les loss 111. Voilà, qui tombe bien, c'est quoi, Hollywood C'est là où vous étiez en train de faire votre. Euh, vous, vous deviez arrêter euh, le, les gamins, en fait. Ouais. Ça, reste ça, ça a secteurs. du sens. Pas ah, dans ça un secteur proche. Sens. de qui tu te renseignes un peu plus je suppose sur les gangers en question bah oui pour savoir à peu près euh, ce qu'ils font euh... simple c'est un petit gang ils te disent ce sont pas très très nombreux et ils sont spécialisés dans le vol de véhicules de luxe et ils ont plutôt la cote auprès de la plupart des gangs de Los Angeles quel que soit leur alignement parce qu'en gros ils fournissent des caisses de luxe euh, aux chefs de gang en fait en général dire que c'est un petit gang qui est très doué pour le vol de voiture. Ok, ils ont un peu de respect de ma part. <laughs> euh, je ne renie pas mes origines, moi je suis désolé, mais bon. Euh, <laughs> même si je les cache. <laughs> ok Doki, bon, ben, euh, je vais revoir Lynn avec toi. Et les clairement, les... Euh, attends, justement, euh, si on parle de tes origines, clairement, même toi à l'époque, tu avais entendu parler d'eux euh, et... Euh... <coughs> C'était pas des modèles, mais ça s'en rapprochait quand même parce que euh, oui, voilà, c'est le, le top du top euh, en termes de vol de voitures de luxe, quoi. Ouais, c'est dans le milieu des gangs. C'est pas un petit gang de nouveau, c'est un truc qui est bien implanté, mais oui. qui est assez restreint parce que c'est pas le gros gang non plus. Donc, je suppose que pour y rentrer, les places sont chères. Euh, surtout qu'il faut être bon. Voilà, c'est ça. Euh, Il ouais. Et... serait capable de voler une voiture qui a des pneus qui se régénèrent <laughs> Alors, non, parce que ça c'est... ce que tu veux faire c est, c est, c est Ah, expliquez votre rêve, vous êtes insupportable. Et euh, ils parlent en fait d'une enquête qu'ils ont eue en fait euh, avec des, des, des gens qui avaient une voiture avec des plugs qui se régénéraient. Comment ça Bah c'est une voiture qui est ou un truc de, de Corpo, ou un truc militaire, ou un, un mix des deux, mais ils avaient une putain de voiture blindée avec des, des nanos, oh. euh, robots qui réparaient le truc. Enfin bref, c'était... En wow. gros, enfin, dans, dans les technologies de COPS, tu as les murs autoréparants, qui sont des murs qui seraient pas. En fait, s'ils si sont détruits, ils se réparent tout seuls grâce à de la nanotechnologie. Et euh, bah, tu as, as eu des autres applications qui sont pas en fait, euh, disponibles au grand public, dont les pneus incroyables. cest à le pneu, même si tu tires dedans, bah, en fait, il se régénère. Wow Classe. Hein. Et très emmerdant quand tu vas arrêter un véhicule. Et en fait, <laughs> c'est euh, un groupe de. De bandits, de voleurs de haut vol qui ont fait pas mal de braquages à Los Angeles. Euh, par, euh, comment dire, euh, dire l'inactivité euh, de Juan hein, euh, sur cette enquête. Oh, oh non, le non, matin J'ai manqué des informations, c'est tout. Euh, <laughs> par l'immobilisme, je dirais même, de Juan. Et, euh, et euh... ma mère a été attaquée. Hein, le, la boutique de ma mère, de feu, ma mère a été attaquée. Attends, elle faisait euh, quoi ta mère dans le jeu elle, elle était euh, vendeuse de d'art. Ah ouais, t'es une bourge ah bah, oui. Complètement, Lynn, euh... <laughs> Oui, oui, mais euh, dans, dans la famille euh, de Lynn, généralement on pille les... les trésors culturels ailleurs et puis on se les revend Los Angeles. Quoi. Bravo, Lynn Casse <laughs> <laughs> partout, balle euh... au centre, Lynn C'est devenu très politique d'un coup, dis donc tout ça <laughs> Et donc, euh, voilà. et donc on, on les a affrontés et euh, on n'a pas réussi à les, à les choper. Enfin, on en a chopé une partie, mais pas tout, doudou tout, tout. Pour pas tout tuer une partie. Hein. Ouais. Je suis la seule hein, qui en a buté. Hein. Euh, les autres, on les avait laissés partir. Hein, mais, euh... bah, il fallait en garder <laughs> en vivant pour les interroger, surtout, parce que là, on a du mal bah, à Ils sont vivants, mais loin. <laughs> voilà. Et en fait, on a recruté William Wade, donc le détective privé, pour qu'il enquête sur eux. Euh, en dehors des frontières euh, de los angeles on va dire et euh, voilà et du coup euh, c'est lui qui nous a euh, qui nous a un peu sur euh, et ils vont revenir bientôt donc euh, Lynn et guy ses balles voilà. donc ouais donc euh, line c'est pas un petit gang. quoi c'est un truc connu dans une sphère restreinte mais connue quand même, c'est un truc qui date donc euh, c'est pas un truc récent. Et, et pourtant, j'ai jamais entendu parler de, de fait qu'ils brûlent à l'acide des mecs euh, comme ça. Ces gens, euh, généralement, ils volent des véhicules de luxe et euh, ils les refourguent à des chefs de gang. Euh, oui, mais je suppose que les véhicules de luxe ils passent à l'acide les numéros. Donc, peut-être qu'il ah. y a quelqu'un qui est très sensible de la voiture. Et qui, et qui fait une vengeance en fait. Ouais, c'est sûr que s'il y a un mec qui a récupéré une bagnole marquée euh, fuck you sur son. je de qu'il il n'a pas fait Il y a de dur... de voitures volées et de matériaux nucléaires, on est dans l'histoire, mais je ne suis, pas... suis pas sûr. Hein. Non, on a dit que c'est classé ça, s'il te plaît. <laughs> plaît. C'est quoi le nom du gang euh, Los Sombres euh, 111, ah, on va ah, dire 111. Ah. Ouais. Ils sont proches de Dieu. Les hommes sont 11, quoi. Mais. Ok. Mais avec ces contre... infos en tout cas, Lynn, ça permet de resserrer la recherche et de trouver qui est votre homme. Par contre, Lynn, euh, si tu veux quelqu'un pour les infiltrer, euh, un mec qui sait piloter des bagnoles et tout, euh, on peut faire une mission d'infiltration sans aucun problème, hein, Te dis-je avec un énorme sourire. On verra. Ligne. Sur, ce, sur ce sourire, tu lis 4 lettres sur, son, sur ses dents. R E N O. <laughs> non, je rigole. Euh, Linn, avec les informations qu'il donne, ça permet de resserrer la recherche sur ce gang Et tu trouves en effet euh, des empreintes. Et un ADN qui correspond parce que la personne qui est morte est fichée. Oui. Il s'appelle donc. Je vais le marque. Attends, je vais juste le marquer dans le. Jego. Non. Alex. Don Carlos. Bon. Non, non, son prénom c'est Alex. Ah. un peu déçu, en est ça. en quelque chose de plus, plus typique, mais. Euh... Non, non. Alors. Alex. cheshire. C'est un chat en fait. aussi t'as la ref. C'est un chat, chat, oui, mais bon. Et Donc, du coup, en fait, au final, c'était pas une enquête pour Lynn, c'était une enquête pour, euh, pour Juan. Euh, pourquoi parce que euh, parce que Tlon, Katz. Euh, so... Ah, d'accord. <laughs> il y a des voitures, et il y a des chats, forcément. <laughs> bah oui. Ça finit rarement bien pour les chats hein, dans ce genre d'histoire. <laughs> oh, tout de suite. Donc euh, <laughs> tu as le nom de la personne, tu as son vieille. adresse et tu sais et il n'a pas et il fait partie de de la liste. Euh, entre guillemets, non. Euh, non enfin la, la liste des gangs euh, de ce gang là. Et, euh, le gang, lui, est situé à South Central et ils ont tendance à voler des voitures de luxe à West Hollywood en général. Euh, pourquoi la voiture Ah c'est pour montrer une voiture de luxe Non, c'est un muscle car, c'est pas une voiture de luxe. <laughs> Plutôt une voiture de gang en fait souvent les cars, <laughs> Plus qu'une voiture de luxe monsieur. <laughs> ah, J'essaie de rester dans le dans le coup hein, mais bon. Ah, voiture de luxe c'est plus les... les Lamborghini quoi. Ouais, ouais complètement. Plus Ferrari Lamborghini ou autre chose. Des voitures qui ont des systèmes de sécurité beaucoup plus perfectionnés actuellement dans le, le background de Cops. Hein. Ouais, bah, euh, avec euh, Denis, on va aller à l'adresse. On va faire une perky chez lui. Ok. Besoin d'enfants ou pas ça reste euh, à South Central. Hein. Ah ça, 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 ah euh, oui. ah oups oui, euh. <laughs> dans ce cas là oui <laughs> dans ce cas là bah, c'est a... que, que le gang est sur South Central mais leur zone d'activité est déportée sur West Hollywood c'est à dire peut-être qu'ils ont des antennes à West Hollywood mais euh, le gang en lui-même normalement vit à South Central ok bah du coup euh, on va demander à Rwan de monter l'opération non <laughs> bah, je, je sais pas pourquoi mais Denis il le sent pas là, c'est bizarre mais. Euh... Attends, bah si parce que lui il connaît les codes de South Central mieux que nous. Oh, pas du tout, euh, c'est pas mon coin South Central hein, au cas où. Euh... Oh, T'avais un contact avant. Là-bas. Euh... Ouais, bon j'ai eu avant. un contact que j'ai pas eu le temps de prendre beaucoup de contacts parce qu'il était ratiboisé avant que j'ai pu le contacter, donc. Euh... Ouais, bah, tu, bah tu te débrouilles, c'est l'action la, que je te donne, voilà. Pauvre One. Ninh Ninh nin. Oui RENO <laughs> Je suis un salaud. Oui, mais... Euh... Tout le monde a le droit à une deuxième chance. C'est ça. Ouais, ouais, je, de... je, je crois en lui, tu vois. Je, je... je veux qu'il vole de ses propres ailes. On est mort. À peu près, ouais. Ah, même Ron il croit <laughs> pas en lui, c'est pour dire. <laughs> T'as raison, <laughs> je suis complètement d'accord. Bah, bah déjà, il va prendre une carte, Et il va regarder où c'est dans, dans, dans sa centrale pour voir si c'est euh, plus... très très loin euh, sa centrale <laughs> ou euh, c'est quand même proche d'un endroit safe. Bah, alors, bah je vais me renseigner déjà, mais bon. Euh... Vas-y, explique-moi ce que tu veux exactement, Line. Eh ben. On va là-bas, on ouvre la porte, on rentre, on fouille. Euh, S'il y a des papiers, des ordinateurs, euh, des plaques de voiture, on, on ramasse tout et on se casse. C'est euh, compliqué. En gros, une perquisition. Ouais, voilà. Ça. Et donc tu veux, que je, tu veux que je supervise une putain de perquisition à la con. Non, je veux que tu te débrouilles pour que... Le pour qu'on qu arrive là-bas safe, qu'on rentre dans la partie safe et qu'on ressorte safe. La perquisition, on va s'en occuper à 4. Mais, euh, mais euh, tu te débrouilles pour avoir les bagnoles de couverture, tu te débrouilles pour avoir euh, euh, les, euh, les déguisements qui vont bien, euh, etc. etc. Je, tu veux, je te résume, Juan ouais. en, en, en gros, certains se rappellent de véhicules du SWAT attaqués à sous-centrale et, et que des morts. Mais pas côté des, des gangers, en fait. Ouais, c'est ça, mais. On va pas y aller avec nos uniformes, quoi, c'est ça l'idée. Bah, à Sauf Central, oui, forcément, non, mais le truc, c'est que si tu veux y aller et revenir, il te faut un véhicule blindé, quoi. Bah, non, il faut un véhicule qui fasse local, quoi. Tu soutien. Ah, ouais, tu veux un véhicule Mad Max, quoi. Non, local. <laughs> c'est ce que je disais, euh, Mad Max. Bon, je suis pour le soutien aérien. Hein, du coup, euh, je suis pas sûr que c'est la meilleure idée du monde si tu veux être discret. Ouais. ouais. Non, mais euh, ça, ils ont des idées hein, aériennes, je pense là-bas. Hein. Euh... <laughs> oh, ça, j'ai quand même des tout. <laughs> ce ce, ce qu'on peut faire. Oh, ça nous rappellera juste le Canada. Ce qu'on peut avoue, faire, c'est. J'avoue que pour euh, une perquisition, je ne peux on... pas sortir des lances-roquettes quand même, pour ne pas <laughs> déconner. <quoi. rire> c'est juste que c'est tout moche là, c'est la truc aérien. Euh, que, je, vais, je vais voir au, au niveau du garage s'ils ont une bagnole qui vient de rentrer, qui a été cabossée euh, à mort, etc. Et je vais demander à l'emprunter pour faire un tour à Sous-Centrale. Une, une voiture banalisée, quoi. Ouais. Euh, bah, euh, en fait, mais... Il en faudrait deux, hein, parce que évidemment, euh, avec, avec un bon coffre, tu vois. Oh bah euh... des trucs, je pense qu'avec un bon coffre ça devait aller mais tu vas ramener tu vas pas prendre plus qu'un gros coffre d'une américaine quoi sachant que ça sera même mieux de pouvoir emmener une partie quelques personnes de l'équipe scientifique si des fois il y a des trucs à récupérer on sait jamais ah, tu... putain si on emmène de la scientifique on dit pas qu'on va au safe central sinon on aura personne qui va nous suivre hein. ah, mais c'est trop chaud ça c'est trop chaud de les avoir non on va s'en occuper nous parce que comme on... vous voulez Bon, mais sinon, oui. Bah, on peut toujours euh... faire la demande, mais après, est-ce qu'ils viendront est -ce qu es Ben, viendra, sûr si c'est vous. C'est sûr que tu veux deux bagnoles euh... oh, Si c'est Benet, alors oui, d'accord. On, on peut se débrouiller. Ben bah, oui, parce que deux bagnoles, c'est mieux. bah si on est. Euh, si on est euh... Déjà, si, ça veut dire que s'ils en crament une, ben, bah, il y en a toujours une deuxième. <laughs> Ouais. Et s'ils en volent une, il y en aura toujours une troisième. Ah merde, euh, non, ça quoi, marche pas! Par, par <laughs> contre, ça veut dire qu'il euh, y, euh, y en a deux qui vont rester en bas, euh, à côté des bagnoles, pendant que les autres vont fouiller. Hein, mais on ne va pas laisser les bagnoles toutes seules. Sinon, on ne les retrouve pas. Bah, c est, c est, c est... Non, si c'est des bagnoles locales, ils ne vont, ils vont pas les voler. Alors, si. <laughs> si, clairement, ça serait même des trottinettes locales que tu les retrouverais pas. Donc, euh... non, non, il faut quelqu'un qui reste. Je trouve que tu as une mauvaise, idée, une mauvaise image oui. de ton propre quartier. Tu véhicules hein, une, une mauvaise image de la banlieue, quand même. Hein. Je... Alors, <laughs> le South central, c'est pas la banlieue, c'est une zone de combat. On appelle ça la cyberpunk, c'est pas la <laughs> même chose. Mais euh, non, mais je veux dire, tu. Moi je, moi je suis pas d'accord tu vois je, je pense qu'effectivement une voiture en bon état elle se fait braquer euh, et voler dans tous les sens ou, ou dépecer euh, sur place mais mais une voiture qui fait qui ressemble à un dodi roulant euh... bah, écoute... de, tu penses à la voiture de Denise quand tu dis ça <laughs> non non, hey non mais si tu veux si tu veux line on va au garage et c'est toi qui emprunte les bagnoles, c'est à dire c'est toi qui signe leur mais mais, mais ah c'est toi qui connais les deux bagnoles. Tu connais les deux bagnoles Qu'est-ce que tu oh m'emmerdes Bah Juste besoin de qu'on me parle pour une mission que je te donne. Mais euh... moi je te dis <laughs> qu'il faut qu'on <laughs> va à deux, <laughs> Et qu'on a là. deux qui ah, restent. Si tu tu William, William Wade, tu vas pas attendre deux ans pour m'en trouver deux bagnoles quand même. C'est sûr que moi je considère que vous descendez sigles le papier tu les as quoi. Exactement. Tu les as ou tu suis mon plan et on y va à deux bagnoles. Il y en a deux qui restent en bas. C'est simple, c'est clair, c'est net. Il faut se détendre. Ton si c'est ton plan, on le suit. Point. Et eh ben voilà, donc j'ai dit, on y va à deux bagnoles, il y en a deux qui restent chacun dans la bagnole, voire même dehors, et puis pendant que les autres vont là-bas. Je me permets de faire une, une, une ellipse temporelle, vous êtes devant le, le, la maison avec les deux bagnoles. <laughs> et euh, les, les, je, je pars du principe que pour euh, Denis et, euh, et Mike, vous les avez entendus s'engueuler par radio interposée. Pendant une bonne partie du trajet. <laughs> Vous en avez plein le cul, le cul. et Bennett aussi. Et bien justement, quand ils vont quitter les bagnoles pour aller commencer à bosser, ils seront heureux de plus nous avoir... Euh, non mais, mais ils ont déjà entendu ça pendant plusieurs heures. <laughs> bon, euh, par contre, Mike, reste avec moi en bas parce que... Alors, euh, euh... Mike, non, Denis... Le trajet, dû... le trajet a duré combien de temps alors, le travail dure quelques. Euh, deux, une à deux heures parce que euh, bouchon. D'accord. Euh, avant de rentrer dans, ce, dans cet endroit, vous idée. allez me faire un petit jet de perception instinct de flic. Ah là là Moi aussi Bah tout <laughs> le monde. En ah fait. oh bah oui, oui. Si on l'aura, on est mort en fait. <laughs> parce que, à mon avis, quand tu rentres dans centrale Central, ton sens d'araignée te prévient du danger, tu vois. <laughs> <laughs> oui clairement. Quatre Mais je, je suis pas Spider-Man! <laughs> euh, perception Ouais. Ouais. <laughs> ah, je te sens chaude là. Je savais pas pourquoi. Je pense que je t'ai un peu trop chauffé. <laughs> Lynn, c'est juste depuis tout à l'heure, c'est pas ouf. Moi, hein. ah ouais. <laughs> ouais, j'ai arrêté de parler quand j'ai vu qu'elle commençait à charger son flingue, tu vois. <rire> <rire> euh, il manque un jet. Je crois, non. Ah non, tout le monde a fait. Ah non Attends, en fait euh, si, ouais, tout le monde a fait. Euh, donc, euh, pour Mike, Denis et Juan, euh, pas pour Lynn, euh, vous remarquez clairement que la maison que vous voulez perquisitionner est sous surveillance. Et quand je dis surveillance, euh, c'est par deux personnes du gang de Mike, en fait. Parce qu'ils sont de l'autre côté de la rue, vous reconnaissez les toutouages qu'il avait. Non, et pas euh, de clairement. Mike, de Alex. Ouais, de Alex, excuse-moi. Euh, le gang d'Alex. Et que, euh, clairement. Euh, Ouais, ils ont l'air de regarder les, euh, ce qui se passe euh, si des gens rentrent ou sortent de la maison. Euh, voilà, c'est. Bah, je suppose qu'on prévient l'In et. Ah, de toute façon, vous arrêtez pas devant la maison. Je crois oui, que vous on le chemin. pour, pour va un peu plus loin continue, et savoir ce loin. que vous allez faire. Euh, la question c'est qu'est-ce qu'on fait justement Est-ce que tu veux qu'on les... les interroge sur une question totalement fallacieuse, genre, euh, Ton qu'il a été pété si tu... je suis au poste Ou... Euh... Bah, idéalement, il faudrait aller leur parler. T'as pas envie de causer à des gangers, toi. Bah... Deux possibilités. S'ils surveillent la maison, c'est qu'ils cherchent à mon avis le gars. Donc ils sont peut être pas au courant que le... Pas faux. Donc, soit il le pour des parce qu'il ne s'est pas pr présenté à l'appel, on va dire. Euh... Soit, euh... soit ils ont un plan plus hostile vis-à-vis -vis de lui. Bah, S'il y avait un plan plus hostile, il y a longtemps qu'il serait rentré dans l'appartement pour commencer à fouiller à mort. et essayer de Ou alors ils l'ont déjà fait, et ils attendent parce qu'ils n'ont rien trouvé. On Peut-être. Alors, euh, tu 4. Clairement la la, alors la maison, parce que c'est pas un appartement, c'est une petite maison. Il euh, n'y avait pas l'air d'avoir de traces d'effraction quand vous êtes passé devant. Ok, donc... Peut-être euh, que c'est juste des, des mecs du gang euh, très très bas à l'échelle qui sont là pour servir de garde garde de porte quoi, de gardien en fait tout simplement. Et que le mec il les paye tous les mois euh, pour, pour ça ou... Euh leur rôle dans le gang. En fait, peut-être que le mec est mort. Et il était très très bien placé dans le gang. Est-ce qu'il y a moyen de passer par derrière euh, vu qu'apparemment, ils ont l'air d'être devant ces gens. Alors, il y a moyen de passer par derrière, mais mais euh... pour décharger les affaires, ça va être compliqué. Ça, ça va être chiant entre Bennett et les trucs pour pouvoir. Ça va, être, ça va être très chiant. Et si vous faites repérer, tu sais pas comment ça va partir. Bah scène de, la scène je à la scène de crime enfin l'endroit le, de tu t'as peut-être pas envie que ça devienne une scène de guerre en fait hein. oui on est bien d'accord soit c'est des sonnettes et justement s'ils nous voient arriver ils vont rameuter le banc à l'arrière-ban et on va tous se prendre tout sur la gueule et c'est cool pas cool soit c'est autre chose mais on n'a pas moyen de le savoir donc euh... de toute façon quoi qu'on fasse on va forcément s'annoncer hein. soit Sachant on, peur, on il parle d'un gang d'une dizaine de personnes hein. pas plus C'est quand mon avis, Après, euh, aller leur parler, leur dire que le collègue, leur collègue est mort, euh, peut-être que ça les mettra dans le poche en fait. Et qu'on enquête dessus. Mais après, euh, ça risque de déclencher une guerre des gangs. Mais... Euh, ouais. Tu <laughs> vois, ouais Balance bénéfice-fisque, monsieur. En <laughs> Il y a un mec qui est mort et qu'on enquête dessus. Donc, tu vois, grosso modo, vous salut, je suis Cops. Euh, autant te balader avec, euh, à poil avec une euh... pancarte. Ouais, c'est ça, quoi. <laughs> Bah, tu... Non, mais tu te fais passer pour un service mortuaire! Est-ce que j'ai une gueule d'un service mortuaire? Bah, oui. En fait, la chirurgie s'est dit que tu t'es pris dans la tronche, euh, oui, un peu quand même, hein! <laughs> oh, il est plus proche des Bogdanov que du service mortuaire, je pense! Ouais, c'est ça, j'allais <laughs> bah, dire! <laughs> Ils ont jamais comment, vu les, les Bogdanov comme étant des croque-morts, hein. <laughs> Mais bon. Bah, ils avaient Qu quand même un euh... sais pas. Genre... Qu'est-ce bah, que Mike euh... et Denis en pensent Franchement, il faut éviter une boucherie, c'est tout. Oui, et surtout une charcuterie aussi. Merci, Denis. Merci, pour Mike ça. et Denis. <laughs> ça nous, ça nous aide non, mais du chance. coup, vous êtes plutôt pour euh, quelle option On va leur parler directement on y va. Tous les quatre, euh, ou euh, enfin, en nombre, on, a, on en voit un seul individu qui essaye de passer le temps, qui fait diversion. Moi je pense qu'il faut ah là plutôt là. la technique diversion, même si c'est dangereux pour la personne. Est-ce qu'on peut essayer la technique détective privé euh, Sa famille n'a plus de nouvelles de lui et euh, tu es juste un privé Ouais qui a mais ce qui se passe. il a quoi comme euh... famille Parce que... Et surtout non, que tu, rien, sais, si fond. ça se trouve c'est eux qui connaissent mieux la famille que, toi. que toi, ouais, c'est... <laughs> Bon, sa, côté... sa petite amie, allez hop, c'est comme ça, il n'a il pas dit qu'il avait une petite amie. Euh, ben... Bah... C'est je... un tranchant de leur mentir, est-ce qu'on... Moi, 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 je... Oui, mais on va pas leur dire qu'on est cops, hein, clairement, non non. Je... Bon, bah oui, mais moi je... je serais plus en... En... enclin à leur dire qu'on est un service mortuaire, que le corps a été identifié, et que du coup on est venu chercher euh, euh, v... vêtements et autres affaires, affaires, affaires personnelles, parce que c'est le... la procédure quand euh, quelqu'un meurt et que, euh, et que personne réclame le corps. Bah, je suis certain que t'as l'aplomb de leur faire penser ça, donc euh, on te suit, vas-y. Pourquoi allez. moi Parce que si ça vient d'une nana. Il fallait pas ça... parler hein Ouais bah attends, 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 Alors c'est moi le chef, alors vous allez pas m'emmerder, hein. <laughs> allez, une crise d'autorité. Euh, Mike, vas-y. Non, tu fais beaucoup plus, euh... Bah attends, il faut que je dise quoi Eh ben tu dis que tu... Euh que tu voudrais bah, que tu voudrais investiguer la maison pour fouiller euh, euh, les affaires perso enfin tu, bah, tu dis que le mec est mort il a été euh, il a été mort après tu sais pas comment parce que euh, voilà que la police a, a va rendre le corps bientôt au service ouais. de la mairie tu as été contacté par la morgue carrément parce qu'ils ont ramassé un Mais est-ce que je dis qu'il a été tué ou je dis qu'il est mort Non, non, tu sais pas. Toi, tu sais qu'il est mort, c'est tout. Et que tu, tu... En fait, en gros, toi, ta mission, c'est tu vas l'enterrer bientôt. Tu vas recevoir un corps bientôt, tu vas l'enterrer bientôt. Et tu as le droit d'aller chez la personne pour euh, récupérer 3-4 affaires. C'est ça. Voilà. Et du coup, euh, bah, tu euh, es venu en... avec, avec, tes, euh, avec tes équipes pour, euh, pour récupérer euh, tout ce qui va bien. Et. Euh, et après les objets de valeur et tout seront conservés. Et euh, si une famille euh, se présente, eh ben, euh, euh, la famille va pouvoir les récupérer évidemment. Mais je vais me faire tuer. Mais non, je t'accompagne. Mais non. <rire> <rire> Faut euh... tout. Bon bah j'y vais. Tu veux de moi, je te suis, je En fait, je sais pas parce que votre stratégie c'est que je gagne du temps ou que j'y arrive vraiment Non, que tu te fasses passer pour ça et juste pour dire qu'on va rentrer et pour donner en fait une couverture. D'accord, dans ce cas, j'y vais tout seul. qu'on juste des mecs qui Dans ce cas, j'y vais tout seul dans un premier temps et après, je dis que je vais chercher mon équipe. L'idée c'est que si ils te disent non, je repars. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, dans ce cas-là, laisse ton micro ouvert, et si tu dis le mot qui va bien, je fonce te récupérer. C'est quoi le mot qui va bien Non, on fait un truc facile à dire dans la conversation. Des toilettes. Je leur demande s'ils ont pas des toilettes. Ok, d'accord, c'est bon. c'est Mais non, 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 c'est ma mission, c'est ornithorynque. C'est non. non. Ça a toujours été Ornithorynque depuis le début de la campagne. On va pas changer maintenant parce que t'es arrivé en dernier. Non, non, je suis désolé. C'est Ornithorynque le nom. Si je meurs, Mike, vous aurez un Ornithorynque sur la conscience. Va vas-y, Mike, on... ça sera toilette, t'inquiète. <laughs> le traître. Bon, alors, j'y vais ou pas Vas-y, vas-y. C'est tes choix sur le jeu, donc c'est toi qui vois. Toc, toc, Si elle dit pas moi je démarre pas. Hein. <laughs> je ne pas. De toute ah, façon tu pas. conduis pas, t'es passagère toi, t as, t as rien à dire. Donc euh, tu prends une voiture et tu vas tout seul ou il y a quelqu'un dans la voiture où t'es ah, Tout seul du coup. Ok, donc vous êtes à trois dans l'autre voiture. Ok. Ok, tu te gares devant la maison. Qu'est-ce Qu que tu fais Quatre, il y a, oui, y y y a Et bah ben, je vais toquer la porte Ok. Et comme ça va pas répondre, tu vas te diriger vers ces gens. Mais les gens ils sont de l'autre côté de la rue en fait. Hein. Bah oui c'est ça, mais euh, ils sont, c'est les seuls gens qui sont dans la rue apparemment. Non non non, c'est ceux que vous avez remarqué parce qu'ils avaient les mêmes tatouages. Après il y a des gens qui se baladent dans la rue. Euh... Mais je dans vais toquer, ou... l'air de rien, je suis innocent. Ouais. Ouais. ouais ouais bah tu toques, ça répond pas. Je ouais, prends un air perdu. Ouais, ai ai Taisez-vous c'est moi qui joue. Je prends un air perdu. <rire> <rire> Je regarde autour de moi et après je me dirige vers eux, genre vraiment innocemment en mode Oh ciel, personne ne répond, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Oh, c'est les seuls qui m'ont fait un eye contact, je vais aller les voir. C'est Gorgorce ah ouais, oh, 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 plein de toutouages. Voilà, donc je me rapproche d'eux. Est-ce qu'ils engagent la conversation ou je le fais Bah, ils te regardent en fait euh, ce que tu fais. Bah, je leur dis bonjour en me rapprochant. Juste pour être certain, ils ont quoi comme type de tatouage Des dauphins qui sont en train de sauter de nuage en nuage ou des trucs un peu plus. Euh, rentre dedans oh, Réellement, c'est pas, pas précisé, mais je vais rester sur du tribal. Ok. So, année 2000. Okay. Ils ont une recette de mayonnaise en, 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 en caractère chinois. Trop bien. <rire> 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 ok, donc je leur dis bonjour et je leur demande. Euh... Ils savent si des personnes qui sont là sont genre vont rentrer bientôt, sont partis en vacances, que sais-je. Bah, en gros, ils te toisent et ils te répondent. En gros, ils oh, essaient de te, 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 te mettre un petit coup de pression, euh, genre gang, genre, genre me parle pas, euh, je suis dangereux quoi. Je le regarde et je fais tout va bien, vous êtes muet, je prends un air faussement inquiet et je lui mets une main sur l'épaule. Ok, t'as une lame maintenant de cutter okay, au niveau de ton, ta gorge. Je regarde et je fais, mais, mais, mais qu'est-ce qui vous arrive mais, mais enfin, mais détendez-vous Tes papiers, ton pognon, tes vêtements. Mes vêtements Mais vous êtes bien trop grand pour mes vêtements. Tu sens la voilà. lame qui s'enfonce sur ta gorge. Euh, je commence à, à sortir mes affaires en tremblotant et je fais un peu tomber les trucs par terre. Euh, ça veut dire que, quand même, dans tes... pour moi, t'as tes plaques hein, sur toi. Et... Mais, bizarre, mais non, hein. je, je, je vire d'abord de ma poche un stylo. Euh... Genre, je sais pas, de la merdouille. N oublie, n oublie, n oublie et, et en même temps, je, je regarde le mec et je fais Mais est-ce que ce serait pas un beau tatouage d'ornithorang sur votre épaule <rire> <rire> Bon, bah <laughs> alors, on démarre. Je démarre. <laughs> mais, bien, bah, placé, bien placé, bien placé. Franchement, je trouve... parfait. Ok, qu'est-ce que vous faites, les autres euh, je, je démarre et je fonce directement sur place pour. Franchement, c'est de... un guet-apens. Euh... Vous voyez ce pauvre Mike là-bas bah, euh... Ok. Donc vous arrivez à, à fond, euh, drift, etc. À deux ouais, Tiens, pour les impressionner, juste pour s'arrêter à euh, un quart de poil de moelle de fourmi euh, devant le mec. Euh... Okay. ok. Mike, il pose des faux cris d'or frais pour faire genre il comprend pas ce qui se passe. Ok, ok. Euh, ah, vous bah, me faites bah. les, les jets de euh, réflexe conduite. Okay. À zéro, Denis. vous tapez Mike. Denis, c'est à toi. Non, c'est euh, qui... lui qui conduit. Qu une voiture. Ah oui, mais avec une voiture. Hein. Eh oui, forcément. Mais par contre, je peux faire comme dans un film indien où, te... où je pose le pied pendant que la voiture est en train de drifter et que je sors comme si de rien n'était. Alors, je t'ai fait un jet de bâtard. Oui. <rire> bah, <rire> en fait, ce qui se passe, c'est que t'arrives, tu... tu fais un gros dérapage... Tu, ça, ça te rappelle un peu ton, ton époque où tu faisais tu frimais avec les voitures dans, dans, à South Central et euh, bah en fait ouais tu les effraies en fait ils s'enfuient en courant en laissant euh, comment s'appelle euh, Mike Mike sur place en fait euh, peur en fait que gang va, va sortir pour les défoncer en fait là bon on, on, on file à l'appartement et on fouille ça très très vite ouais je m'occupe de la porte Ok, euh... Ouais, Alors, par contre... Pas... Euh, je vais mourir hein ...de perception à d'abord. Ça a dû se remarquer. Je vais oui, mourir euh, Oui 4. 4, ok. Alors, 3. Euh, oh, j'ai pas fait un. <laughs> un Un ou deux, quoi. Ah non, non oui, c'est vrai. Il manque celui euh, de Mike. De, Mike. Je, de Ouais. Après, si t'es pas obligé de le faire, dans le sens où peut-être tu es en état de choc, mais je pense pas. Non. Du coup, je te fais un quoi Perception, Perception sur Et t'as remarqué, Mike, j'ai dit que je t'assurais des arrières et j'ai assuré tes arrières. Ah bah, oui. C -c culotte. <laughs> mais génial, il faut attendre que j'ai un schlass sur la lame pour évidemment un truc qui n'allait pas fonctionner. C'est pas grave euh, Pour Denis et Lynn euh, Clairement Le temps est ultra limité Vous êtes à South Central, vous venez de faire peur à un gang euh, Qui a apprécié tous les autres gangs du coin Il y a de fortes chances Que la, la réplique ne va pas sortir, va, va arriver Et euh, ça risque d'être sale Donc on peut pas y aller tout de suite J'ai dit Vous avez un temps très limité bah, si, Très on va y aller, on va y aller, mais on va, on va se dépêcher. Euh... Euh, moi, je suis d'avis de laisser deux voitures qui tournent, hein, avec oui. le moteur allumé. Euh, et de... euh... clairement, euh, Bennett ne n'y va pas. Hein. C'est trop, de... Il n'aura a... pas le temps de faire quoi que ce soit. Ouais. Bah, du coup, on prend les deux voitures, on les met devant, euh, prêts à partir. On euh... boom la porte. On boum la porte. On, on appelle des renforts pour faire une diversion ailleurs. Ils sonner leur gyrophare à l'autre bout de l'entrée de, 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 du quartier, de, de, ouais, du quartier de, de South Central. Et euh, et voilà. Et du coup, on fouille. Hein. C'est un peu comme, euh, comme dans les émissions où on a 10 secondes pour tout ramasser dans un, dans un supermarché. Tu vois ouais, alors bon, ça si va être un peu plus limité. <laughs> Donc, euh, perception, scène de crime, pas de mallette. Euh, bah oui, pas le temps. Euh, et la difficulté va être putain de haute, hein, parce que pas le temps. Allez les gars, on vous soutient. Il a le droit de tirer l'adrénaline. Wouhou, allez-y! En fait, je suis. Tu veux. Euh, hein? Perception, c'est ça? Ouais. Perception, scène de flic. Perception, scène de crime. Perception, scène de crime. Tu on laisses on tourner, prô... tu, tu, tu vérifies t'es. Je sais ah, pas. En gros, de toute façon, moi, je suis au volant, prêt à partir. Ok. En fait. ouais, c'est ça. Et pareil pour Athlon, donc enfin pour Juan. Donc... Ok. Oh. Ah, c'est bien. Euh, Mike, ok, et euh, okay. Donc Mike, euh, ce que tu trouves, c'est alors première chose, on prend des photos. Que... Aussi, hein. Ouais, on prend des photos. La première chose, euh, tout est en ordre. La voiture euh, du gars est dans son garage. Mike, tu trouves une cachette où a priori il y a son matériel de voleur qui est là bien sagement, donc ce matériel de voleur de voiture. Euh... Vous prenez des empreintes à la volée comme vous... enfin des objets pour pouvoir prendre des empreintes dessus comme vous pouvez. Hein. Ouais. Euh... Je vous fais le décompte, 30 secondes. <laughs> Je regarde un peu. Et Ouais, et l'autre truc, c'est que tu, euh, tu as aussi la, le courrier de la, de, de, de la personne, parce qu'il reçoit du courrier. Euh, le courrier a été relevé jusqu'au 26, non compris. -à -dire que et là, a, on est combien Le courrier qui est là, qui est, Qui s'est qui qui euh, entassé depuis. Qui s'est entassé, enfin, qui est dans la boîte aux lettres, en fait. Hein. Ouais, ça. Euh, dans la boîte aux lettres, et tu, par, par effet, tu regardes et tu vois qu'en fait, il y a des lettres, la, les plus récentes étaient au 26. Enfin, Les plus anciennes au 26. Mais là, on est le combien Le euh, 7 juin. Voilà. Mais donc, ça fait quoi Ça fait 5 jours Euh, non, et plus. Ouais, enfin, ça, ça fait, fait une semaine. Jour, ah, ok. Ouais, voilà. De voilà. toute façon, tu feras le calcul après, là. Pour l'instant, vous vous dépêchez. Ouais, <laughs> ouais, ok, voilà. bah, voilà. du coup, je prends les bails que je trouve et... et voilà. Voilà. Pour tout cas, c'est tout ce que vous récupérez et euh, vous remontez. Alors après, moi, je peux dépenser un point d'ancienneté pour monter à Ouais, mais ça change rien en fait, parce que tu seras la même chose que Mike en fait. Bah oui, mais si on est doit à le faire, on ramasse plus de choses. Ouais, ouais, mais ça, pour le coup, c'est des. Euh, c des euh, je considère que euh, vous avez ramassé assez de traces pour récupérer de l'ADN et, euh, et, euh, et des empreintes, euh, enfin tout ce qui. Euh, moi, enfin, je prends les peut... draps. Ok, les draps. D'accord. Ah, prends la brosse à dents et le verre, euh, le verre et la brosse à dents, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, je prends les ouais. empreintes sur les poignées de porte et sur euh, voilà. les ordi, les claviers. Bah, par contre, moi, ouais, je récupère ouais, les ordi, bien. les claviers. Tu oui, crois oui, si il y a un ordi, on prend, hein, on n'est pas fou. Hein, on... euh, je pense. C'est pas précisé qui a ordi en fait, donc euh, je vais partir du principe qu'il y en a pas. Mais y a, pas, y a pas de traces de sang, pas de traces de lutte Non, en fait. c'est propre. Une minute trente, il vous reste plus que trente secondes. Non, non, non euh, quatre, trois. Euh, <laughs> est-ce que, est-ce que, est-ce que, Juan, est tu peux récupérer la voiture okay. euh, 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 Ça veut dire qu'il faut, faut ouvrir la porte. Euh, je crois. Euh, les, les clés, en fait, euh, ça correspond à la voiture que vous recherchez, euh, parce qu'il avait des clés de voiture dans sa poche de mémoire. Oui c'est ça, on avait vu qu'il y avait des clés. C'est les clés de cette voiture et c'est elles sont aux preuves. Il n'y aura pas le temps de voir la voiture pour pouvoir la démarrer. Il faut revenir là, maintenant. la voiture, on Mais Le service Indie Gang, ils n'ont pas dit qu'il y avait 400 morts de gang par jour et faut faire ma code part. J'en étais sûr voilà, et donc tu, tu, on tu, se tu casse. Un... Lynn, elle utilise tout ce qu'elle peut pour avoir des fusils de Tchekov. C'est hallucinant. oui, je sais. <laughs> euh... Par contre, dès qu'ils sont là, euh, ils foncent dans la bagnole et on se casse. Euh... Ah, ouais, ouais, ça tombe bien parce qu'ils commencent à avoir... En fait, t'as pu remarquer que des gens commençaient à repérer ce qui se passait, à passer des coups de fil. et, euh... et c'est <laughs> pour ça que ai de se bagnait là. J'ai de conduite pour les deux conducteurs. Réflexe conduite parce qu'on va, parce qu'ils vont essayer de vous bloquer pour partir. Enfoiré, allez c'est parti. La difficulté est à 3 6 succès. Je t'ouvre la voie, euh... Tanis. Il est passé devant pour l'instant. 4. C'est réussi aussi. Donc vous vous échappez de South Central avant, euh, avant l'apocalypse. Avant la nas et avant des trucs. On peut faire des dos d'honneur sur le départ <rire> <rire> c est c est Grave C'est gratuit, tu peux, mais bon. Ouh. Alors, Lynn, content du plan Bah, ouais Ça aurait été mieux, si en eu un peu plus de temps, mais bon. Bon, je, je vous cache pas que vous avez pas tout vu. Hein, <rire> <rire> forcément. Ouais, mais... <laughs> on a vu le principale. Bon. Bon, euh, n'empêche que Mike, tu t'es super bien démerdé. Hein. T'as attiré leur attention, mais bah leur direct. Ouais, mais peut-être peut qu'il y allait en mode. Euh... En mode sneaky beach aurait été mieux mais. Ouais mais c'est... bon, aurait... faire passer Bennett en, en discrétion, je, je suis pas sûr que. Ouais. Ça soit je, son je, je pense que Bennett, il est pas là de repartir sur le terrain. Tu vois ah, déjà que vous sentiez qu'il était euh, un peu Chaque comment fois. dire euh, sur les nerfs, là euh, c'est pas bon pour son cœur et pour ce, sa, son, sa santé mentale, ce qui vient de se passer. Bon... Par contre, il vous dit que la prochaine fois, il préférera que vous sécurisez la zone de crime avant qu'ils viennent. Ça sera mieux. Ouais, bah du coup, il faut sécuriser le quartier et donc euh, appeler non, les mais... militaires. Alors clairement, c'est pas son problème. Oui, c'est <laughs> ça. Mais euh, s'il faut sécuriser tout sauf centrale, c'est c'est une explosion atomique hein, dessus parce que <laughs> sinon, ça fait rien. Il vous dit que non parce que et vous donc, avez euh... la zone de crime. Line, on est un peu dans ta cuisine là. Bah, bon, comme, et... tout, comme toutes les parties. Comme toutes les parties. Comme tout, dire. tout le temps. Hein, donc, euh... Donc, et euh, bah, bah, et euh, bah, on peut bah, voilà. continuer à se plaindre. Hein. Mais tu Re as le droit, retour. complètement. Retour euh, euh, au commissariat central et puis euh, on va pouvoir euh, travailler sur les preuves qui ont été récupérées. Ok. Ta da, da 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 toi tu vas faire des patrouilles ou tu vas faire tes enquêtes. Moi je vais bosser là-dessus. <laughs> bah, moi je demande pas mieux. Hein. C'était divertissant se faire un petit euh, Fast and Furious euh, à Tout à fait. J'ai osé. Je vais envoyer de... un mail à l'anti-gang je... sur les Mental Boys. <laughs> bon, moi par contre, je vais faire mon. Dire, je cherche pendant 5 minutes en fait. <laughs> C'est quand je. <laughs> <laughs> je, je, je vais faire mon rapport pour expliquer l'attaque de train Et le pourquoi du comment De récupérer un petit jeune Pour euh, infiltrer le truc quoi. Mmh. En expliquant avec tout ce qu'on a vu Tout ce que euh, prend l'intervention Qu'apparemment c'était vraiment Des, des genoux qui étaient dessus Pas, euh, et qu euh, Apparemment c'est bien au-delà De la tranche d'âge qu'on a au COP C'est donc que euh, dans l'idée, c'est de récupérer euh, un petit genou de l'académie qui est euh, bien noté, qui a des, du haut potentiel, et euh, ben, euh, demander l'autorisation. fais-moi non, 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 Fais euh... d'abord un, un jet euh, d'éducation bureaucratie. Je m'en doutais. Tu es tellement prévisible. Alors, ouais, j'ai pas souvenir d'avoir dit qu'ils étaient si jeunes que ça les gens qui attaquaient le train, mais euh... ah bah euh, tu grosso modo de ce que tu m'avais dit, euh, ça ressemblait, c'était des jeunes, c'était pas des... des adultes donc euh... oh, il y avait de tout en fait hein. ouais il y avait de tout hein, mais euh... et deux succès seulement. Tu as une fin de non-recevoir euh, sur plusieurs raisons qui t'ont donné. Oui. La première c'est qu'ils ont pas, c'est qu'il y a pas déjà, il y a pas de volontaires. Pour ces, dans ce truc parce que faut bah, ah oui, quand même que la dire. personne soit volontaire et deux c'est que euh, clairement la plupart des jeunes qui sortent là de l'équilibre de police euh, veulent pas aller au COPS oh et là encore là moins là. pour faire une mission, mission d'infiltration pour le COPS ah mais voilà franchement franchement je suis désolé mais il y a, y a de la y a... on avait la flamme à l'époque on avait la motivation et là ça se perd hein. Appelle-moi tout tu viens, toi <laughs> Du programme de protection des témoins. Voilà <laughs> euh, Ouais, bon, bah, on va changer bah, de, de Demande au programme de protection des témoins s'ils ne sont pas un autre. <rire> <rire> non, non, non. Alors, le problème, c'est qu'ils en ont vu trois. Hein. Ils ont vu Mike ils m'ont vu moi. Ah, ils m'ont largement ils... vu, moi aussi. Et ils t'ont vu, toi aussi. Il n'y a que lignes qu'ils n'ont pas vu. Oui, mais enfin... Euh... <laughs> le, le truc, c'est qu'il y avait 800 personnes qui ont bagué le train. Enfin, euh, dans la carte, ils t'ont vu, OK, d'accord, mais... <laughs> ah bah oui, mais justement, euh, mieux vaut mettre toutes les chances de l'autre côté. Moi, je dis que le mieux, euh, c'est de prendre celle qui a été euh, en retrait et qu'ils n'ont pas pu déterminer. Hein. Euh... En plus... T'as un talent de comédien inné, t'as déjà tourné des films, donc ça va t'aider. <laughs> bah oui, c'est sûr. Je, je ne dis pas que je ne suis pas qualifié pour le poste, tu vois. <laughs> je pense que Monsieur Croix M. Croix apprécie grandement. Bon. C est, c est, alors moi, j'ouvre un tiroir, je sors un tube et je fais, tiens, je suis sur le dos, ça ira plus vite. <rire> <rire> Mais bon. Euh... Mais bon, comme, comme Ling va être pris sur son enquête, euh, je pense que j'ai plus en parler à nos petits camarades euh, euh, au sein du, du COPS même, hein, si eux ont des idées sur euh, qui pourrait euh, infiltrer un, le gang des attaques de train. Ouais, mais t'as déjà regardé Parce qu'à mon avis, ils se coordonnent sur les réseaux sociaux, tu vois. Ouais, reste sur ton enquête, toi. <laughs> ouais, d'abord. Oh le pire Oh le pire mais euh... bah, du coup, on va fouiller les preuves qu'on qu a récupérées. Hein. Enfin, qu a... Attends, j'attends de savoir ce que veut faire. Euh... Ce que moi je veux faire Ah oui ah, Pour moi, je suis toujours dans l'idée d'avoir euh, un, un infiltré qui remonte en fait. Alors qui... clairement, non mais. Alors l'infiltré, euh, clairement ton chef est, est pas, trop pas pour... ouf d'accord parce que pour infiltrer un truc, il faudra déjà que tu. Euh, que tu une organisation sous les yeux, en fait, et pour le moment, tu aucune organisation, en fait. C'est pas faux, mais euh, je, on sait où a eu lieu l'attaque, on sait qu'ils ont traîné dans le coin, donc on sait... Et on sait qu'il y a déjà eu cinq attaques depuis. Mm -hmm. C'est juste des profiteurs. Quoi. Réellement, le truc, c'est que ça, on, en, on en est à une à deux attaques par semaine, en fait. L'autre possibilité. Ouais, non je... il... Lui, il te demande de, de faire une. Il, te, il, te re... il va trop préciser. Il te demande pas de recruter des. Euh... Comment s'appelle Des infiltrés, mais vraiment de monter une task force. D'ailleurs, ah ouais, de car... trouver euh, plus de faire un truc interservice pour en fait qui sera dédié à ça et que tu vas superviser. Putain, pour euh, grosso modo stopper <laughs> une attaque de 800 personnes. Mais au bout de trois semaines, ils vont suicider, les mecs, dans la euh, Task Force. Euh, euh, c'est pas une Task Force qu'ils vont demander, c'est carrément toute l'armée de euh, de qui va arriver. Euh. C'est tes ordres. Hein. Ok. Bon, eh ben on va euh, retravailler là-dessus. Si Et on avait une, coup... ta une Task Force pour Reno. Reynaud... Hum, hum. Oui <laughs> Euh, ça aurait été pire, je pense. Mais... Oui, ça <laughs> euh. Yondot, tel ping si tu vois ce que je veux dire. <laughs> Pardon, désolé. Je suis, je suis un peu fatigué, donc je peux être un peu euh, vif. Ouais, t'as l'air un peu fatigué, Denis. Va donc prendre une tasse de café, ça va te faire du bien. <laughs> ouais, ouais, ouais. ouais. Ah là 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 là. là. Non, mais moi, euh... ouais, je dis quand même qu'on devrait avoir ce putain de laser orbital. Hein. C'est vrai. Certes, mais pour le moment, t'en as pas. <laughs> <C 'est>... Et, <laughs> et le ne le temps souhaite temps. pas trop vite, t'as un, un MJ qui écoute. <laughs> ça pourrait oh, mal finir. Je vais cogiter sur le truc. Donc ça donc, va mal finir. On va cogiter pour mettre en place une tasse forte pour, euh, pour contrer ça. Ouh. Les Mental Boys, j'ai fait le tour de deux bouquins là de cops rapidement. J'ai pas retrouvé où ils sont, donc il faudra que je, que je recherche un peu plus. Parce que le problème, c'est que euh, retrouver euh, à la volée là, le, euh, où euh, ils parlent dans les bouquins des Mental Boys, euh, ça va être tentu. Hein. Surtout s'ils ne l'ont pas mis en titre de chapitre. Un conseil, ne euh, mets pas ta copine dans la task force, hein, sinon elle va te quitter. Hein. <laughs> Ou pas. Ou pas. Ah ben bah comment, comme verra comment ils travaillent dégueulassement, oui. Les Mental Boys, en tout cas ce que voilà. ça va faire, c'est qu'en gros l'anti gang va te dire la chose suivante, <laughs> Ils t'environt le dossier quand ils l'auront retrouvé. <laughs> voilà. Pour rester pour rester roleplay parce que le MJ retrouve pas du tout où c'est que ça, on en, en parle déjà. Et euh, j'ai fait les deux bouquins qui parlaient de gang. Donc ça doit être soit un petit gang, soit un gang qui est vraiment très spécifique et de, qui est dans un seul bouquin. Sachant que je crois que c'est un 10-18 de l'écran, en plus. Je me trompe pas. Donc un 10-18 qui, qui tient sur une... Damn. Comme je peux pas faire une recherche par, par mot dans des, dans des images... Donc, euh, donc, les Mental Boys, pour le moment... Euh, je ferai un truc, un, un arc spécialement sur ça. Je te dirai quand, en fait, à ce moment-là. En gros, ton chef te dira, avance sur cette enquête. Il y a des nouveaux éléments. Si ça te va. Trop bien. Comme ça, t'as pas à t'en préoccuper d'ici là. Euh, donc, le vol du train. Donc, euh, bah, aide, aide plutôt. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, aide plutôt, Roane, pour l'histoire du vol du train, à savoir comment monter cette, cette histoire de task force. En attendant, je repasse sur l'autre équipe. Bah, pour être tout à fait honnête, vu qu'on me laissait tranquille dans mon coin, j'en ai profité pour acheter des accessoires pour mon chat sur Amazon. Voilà, voilà. Ah oui, le chat. Mais qui vont se faire voler par le train Ah, bah ça, on ne sait pas C'est pas mal, j'aime beaucoup C'est <laughs> vache Bon, après, c'est pas méchant. Hein. Oui. Non. Dans tous les cas. Euh. Lynn on arrive sur la fin de journée, as, tu as, as filé les éléments. Qu'est-ce que tu fais avec les éléments que tu as, en fait Est-ce que, est que tu vois autre chose à faire par rapport à ce gars-là enfin, Dis-moi en fait tes idées par rapport à la suite de l'enquête. Est-ce qu'il y a de la famille hein euh, Pas à Los Angeles. Bah, je vais prévenir sa famille qui est pas à Los Angeles, du coup. Ok, bon, ils sont sûrement dans le, dans le nord de la Californie. J'ai pas plus, vraiment plus de détails là-dessus, mais en gros, bah. Y a il doit avoir euh, comment s'appelle euh, un frère qui bah euh, qui te dit un truc genre ouais de toute façon il était mort pour moi. OK. Je Sympa. <laughs> euh... OK, mais sinon vous voulez faire euh... quoi du corps <laughs> euh, euh, Je vais regarder son 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 comment on dit, son son casier en fait, s'il a des trucs euh, un peu plus euh... Alors Clairement, je, je dois avoir le, euh, exactement le casier du gars, que je dise pas une bêtise. Avant qu'il rentre dans le gang, peut-être Ouais, mais je, je suis en train de chercher exactement le casier. Euh, euh, il a fait plusieurs fois de la prison, mais rien de grave. Son dossier n'indique pas d'actes de violence, mais uniquement des vols et des délits de fuite, en fait. On n'est <laughs> clairement pas sur euh, un mec qui. un gars violent. Est-ce qu'il a un téléphone son... à son nom euh, le téléphone dans chez le lui, dans le ouais. courrier dans le courrier qu'il a est-ce qu'il a des factures de téléphone et si oui euh, bah, essayez de, de demander euh, euh, un, un relevé bancaire bah, un, un relevé des positions du téléphone sur les antennes en fait ah euh, le téléphone il et après le compte bancaire aussi oui évidemment mais... bon, le téléphone en gros il est mépu depuis le 25 et, euh, et si c'est oui, qu était... fois qu'il a émis quoi ouais. Euh, ça va être le, le 25, euh, enfin la nuit du 24 au 25 euh, chez lui en fait. Et après il a été éteint dans la... Dans la... Ok. Euh, relevé bancaire. Euh, un petit jet quand même de euh, sang-froid bureaucratie. Attends, j'enlève je, genre je... ma crêpe de la poêle. Bah, tu peux demander à ton collègue de le faire en attendant. Oui, vas-y. T'as dit quoi euh, comme jet Sang-froid froid bureaucratie. Ouais. La difficulté de c'est juste... Euh... J'ai combien en bureaucratie en fait oh, T'es bien en, en, en bureaucratie toi. J'ai 5. 3 réussites. C'est mieux que moi, j'ai 6 moi. Alors, son compte en banque, son compte en banque, qu'est-ce qu'il y avait dessus Alors, le compte en banque donne quelques renseignements. A priori, il y a eu des retraits tous les jours de 50 dollars californiens. Oui, je suppose que ça peut être américain, ouais. Oui, non, mais attends, je sais de comprendre de quand à quand. De sa mort, aujourd'hui. Oh. Euh, ok. Il euh, y a eu des relevés, en fait, des relevés euh, réguliers euh, pendant euh, deux semaines de 50 dollars californiens par jour jusqu'au 25. 20... C'est Il devait de l'argent à quelqu'un Oui, quand on même. Ouais. C'est à des distributeurs, donc... Euh... Mais 50, 50 pas pas dollars, 50 dollars, cool. c'est pas... C'est pour payer un parking, euh, un tunnel 50$, c'est pas beaucoup, mais quand même, tu t'imagines tirer 50$ tous les jours Il a aucun autre dépense en ligne à part ça. Après, c'est marqué, ça me en précise, fait de 50$. Euh, et le ouais, reste de ses courses euh, des, avec une carte classique, en fait. Donc, en gros, il tirait 50$. Et en plus, il faisait ses euh, courses, en fait. Sinon, c'était un drôle. Gros... Ouais, j'avoue. Après ça, c'est euh, l'examen du corps pour, pour nous le dire, mais bon. bon c'est une, une bonne remarque. Je, je pose la question à, aux gens qui s'occupent de l'autopsie pour savoir s'il si, si avait des traces de consommation euh, régulière. Euh, clairement pas. Par contre, ils ont un peu plus euh, d'éléments ouais, euh, sur la mort. Hum. Donc, euh, on est en fin de journée. Donc, ce qui vous dit, c'est que donc, le, le, la personne est morte d'épuisement entre le 25 et le 26. D'épuisement. Son ouais. visage a été ouais. fondu à sa mort. Il souffrait de malnutrition et de mauvais traitements. Il y a des coups dans le dos. Il portait un baillon. Euh, C'est marqué genre baillon à boule avec linière de cuir. Ses poignets avaient ouais. été attachés pendant plusieurs jours. Des traces de nourriture sur ses sous-vêtements euh, indiquent qu'il était nourri probablement des peaux de bébé et il n'a pas subi de sévices sexuelles. Pense... Et que clairement, il, est, il a passé plusieurs jours euh, à mourir ouais, attaché. C'est quand même vachement chelou, il y a un petit côté vraiment Seven dans le truc là. Euh, Ça fait très meurtre de psychopathe quoi. De psychopathe, oui. Genre je te kidnappe, je te fous dans ma cave, je te nourris à des pots de bébé. Mais normalement c'est vrai que. Ouais, dans les séries télé on s'attend à ce qu'il se fasse violer le mec, mais donc là non. C'est parce que tu regardes trop des épisodes de New York Police Judiciaire. Non, ah, je... c'est parce que je regarde Criminal Mind. <laughs> c'est pas mieux. C'est peut-être peut peut un flic. C'est trop bien, j'adore. Et qui du coup pour se venger a fait ça. Ou alors c'était un flic. Et le qui seul flic... flic justement. <laughs> le seul flic que je connaisse qui mange des pots de bébé. quoi Robocop. <laughs> <What> <laughs> J'ai la Pas <laughs> moi, oh, j'ai mal. Bah si Robocop il mange des pots de bébé, hein. Ah, euh, bah mais je me rappelais pas. Je l'ai vu qu'une fois moi. What? Bah oui, il n'y a plus grand chose à nourrir, mais il y a encore un petit peu de biologie, quoi, donc. Euh... Donc il faut bien le nourrir. Ah, euh, Robocop 1 est un film à voir, hein. euh... mmh. Mais pourquoi il bouffe des pots de bébé C'est pas un robot bah, bah non, mais en fait c'est un, un, un androïde. Au final c'est un Cyborg. Oui. Et pourquoi il bouffe des pots de bébé il y a une partie humaine, en fait, encore, qui, est, qui est encore là. Et du coup, euh, sa partie humaine, euh, comme il a pas tout le système digestif, il ne peut pas manger des trucs trop complexes, donc il mange des ah pommes bébés. Il mange des pour bébé quoi. <laughs> trop mignon. Mignon n'est pas le terme que j'aurais choisi pour vous. Voilà, J'ai je... jamais alors... vu Robocop, c'est peut-être pour film. ça que je dis ça. Ouais, le film n'est pas mignon, hein. Le film est vraiment pas mignon. Ah ouais, clairement. C'est ultra violent, comme ouais, ouais, clairement. Surtout la partie euh, acide. Voilà. La... Ouais, la mort, la mort, euh, la mort de. de, de ah oui, de de Murphy, de Murphy, elle ouais. est, euh, elle est... est ah oui, Je l'ai vu, j'avais, je sais pas, huit ans, un truc comme ça. Et <laughs> Et voilà ce que le... ça donne maintenant. <laughs> moi, 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 quand, moi, quand je l'ai vu, le... aussi, c'est le, le pire. Moi, mon pire souvenir, ça a été quand, quand le, le mec qui, est, qui était dans l'acide, il s'est percuté par, par Murphy dans la bagnole, quoi. Mm. C'est... Il... Ah <laughs> et pourtant je l'ai revu récemment hein, RoboCop. Flac. <laughs> ah mais c'est... voilà. Il met des essuie-glaces après Je crois, ouais, je sais plus, je ouais. l'ai vu, vu quoi, il y a dans les six derniers mois, mais. Et voilà. c'est juste après qu'ils ont l'accident, justement, et qu'ils finissent. Euh... Revenons à... à notre mort. mort. Bah ouais, bah, écoute, je sais pas trop. Euh... Euh, clairement, des éléments que, euh, que tu donnes. Et des éléments de la banque, il y, y a du problème. Ouais. Mais du coup... À, à ça, l'équipe scientifique te dit, va te dire que physiquement, clairement, euh, les, der les derniers jours de sa vie, il n'était pas capable de se déplacer, en fait. Hein, euh, ouais. Trop... Bah, du coup, euh, je demanderais bien à, à Juan euh, d'utiliser son contact pour faire passer le mot, en fait. Qu'on aimerait bien euh, euh, rencontrer... Euh, comment dire le chef de l'Assemblée sans. Ouais, ça serait pas déconnant en fait d'aller de, de leur parler. Et d'un côté. Et, euh, et de là de faire passer le mot dans le. Parce que comme c'est un gang qui a aimé des autres gangs, a priori, si on passe l'info qu'il y a peut-être un tueur en série qui s'attaque à des gangers, euh, salement, je sais pas. Est-ce que ça peut. Euh... Bah vas-y, Lynn, allonge les billets. <laughs> celle-là, celle-là, ça faisait longtemps que je l'attendais. Bah, je vais d'abord utiliser mes contacts, d'après on verra. <laughs> ce, re ah ouais. ce retour en arrière, finalement. Finalement, il faut payer autant que je paye les miens. Hein. Bah oui. Bah, je vais passer le mot en tout cas dans mes contacts euh, en me disant. Euh... À qui euh... Bah, aux Russes, mais ça ne m'a pas trop intéressé, mais à Little Bro, ouais, peut-être, ouais. et, euh, et à celui que j'ai sauvé. Euh. Tudor 2 dit quoi Bah, je leur dis que. Euh, on a un... un gangers du gang machin. Ouais. Euh, qui a été euh, retrouvé mort et, euh, et. visiblement, il a été torturé plusieurs jours avant d'être tué. Ok. Et donc, euh, je sais pas si c'est une alliance personnelle contre lui ou si c'est juste un tueur en série un peu chelou. Un peu chelou. Ok, bah, euh, tu vas être mis en contact avec euh, le gang en face, le gang que. Euh, Éventuellement, Mars, ouais. Ou... Éventuellement, okay. ça pourrait être intéressant de, si je euh, peux avais établir un... un blood ou un Crisp dans tes contacts. Ouais. Euh, lui peut potentiellement essayer de voir ça, mais. Euh mais mes 400 dollars oui oui c'est toujours sans attention il te dit sans que ça soit même sûr que je réussisse parce que ils sont assez particuliers quand même comme gang il est pas il pas chef c'est compliqué c'est pas c'est pas lui normalement qui passe par qui passe voir les voir ouais ouais non mais c'est sûr mais enfin te grammes pas quoi mais y a pas de pas de problème 400 dollars j'ai récemment gagné 1000 dollars une petite euh, astuce conversation astuce non non j'ai gagné plus que ça <laughs> <L 'initié. rire> j'espère <laughs> non ça vaudrait pas le coup mais mais vous pensez vraiment que c'est un tueur en série et que ça n'a rien à voir avec les gangs non, on n'en sait rien pour l'instant bah, si ouais on sait rien mais tout est ouvert donc... mais euh, voilà mais en, en disant que c'est un tueur en série, ça, je, je me protège parce que, un, j'évite une guerre des gangs, parce que sinon, euh, ils, allaient, euh, ils allaient avoir, avoir on va dire, un, une montée de suspicion entre chaque gang et tout, donc ça allait être insupportable. Donc en, en donnant la piste du tueur en série, ils cherchent un, une personne isolée, quoi. Donc euh, mm -hmm. voilà, c'est moins. Okay. Euh, euh, tu tu fais appel à tes contacts ou il y a d'autres personnes qui font appel à leurs contacts bah, apparemment non ça euh... ah, se demande bah, après il y en a qui veulent faire avancer euh, la sécurité dans la ville et d'autres qui le font pas hein, mais voilà <laughs> Je mets dans mon rapport hein, que mes camarades ont refusé de, de faire appel la à leur Je travaille au SAD c'est ça <laughs> Voilà Par contre dans mon rapport je mets que euh, je félicite euh, Mike d'avoir utilisé le bon mot-clé pour euh, c'est le là. genre de rapport que personne ne va lire, ça, monsieur. Ouais, mais c'est une petite ligne dans le rapport, euh, dans le rapport important de, de okay. l'intervention sur le truc, tu vois. Et mais... Mike c est en effet un, un rapport, agent de terrain de haute qualité. Euh, en fin de journée, il y a un officier du SAD qui vient vous interroger, le groupe, sont, euh, directement à votre étage, pour vous demander qu'est-ce qui s'est passé euh, à sous central, parce que bah... Il y a eu quand même poursuite, etc. Et donc, il vient se renseigner de, un, savoir si, si vous êtes encore vivant, enfin, si ça va. Et deux, euh, bah, remplir le rapport qui va bien dans l'altercation. Il n'y a pas eu de... On s'est filoté. Euh... Il y a eu une gestion Alors, pour éviter... Juan, tu te rappelles qu'il y a quand même des voitures que tu as laissées à l'arrière, une ou deux qui ont dû se tamponner. Hein. Pas de ta faute, hein. ils ne savent pas conduire eux. Ah, oui, oui. Là, <laughs> sont... Ouais. Je suppose qu'ils doivent avoir forcément une assurance qui va gérer ce problème. Ouais, ah. Je n'ai pas regardé dans le rétro, euh, j'ai juste foncé. Moi ouais, j'ai regardé dans le rétro, j'ai vu qu'il y a deux trois qui sont empalés. Ouais, Ça, <laughs> Ça a dû les vénère. Ça a dû les vénères. Mais euh, non non non, on a fait une gestion pour éviter une confrontation et avoir un bain de sang euh, qui a très bien fonctionné. Donc bah, il vous pose des questions aussi sur la perquisition euh, de 5 minutes. Est-ce que euh... C'est votre mode opérationnel préféré ah, On préfère quand on prend notre... C'est pas faux. En tout cas, il Mais vous il... pose quelques questions, puis il, se... il retourne à son bureau euh, une fois qu'il... Sans trop vous demande plus. Oui, je me doute que le SAD apprécie pas trop de se balader à l'étage du COPS. Merci non, pour... pas vraiment. Bah, il y a des de papier, Par contre, vous que avez quelques euh... réflexions comme quoi, bah, c'est toujours vous qu'on vient voir. À, que... à croire qu'on a des accointances. Oh. Oh, va, Genre que... avec Damasque, ah, on mais on fait chier personne. Hein. Est-ce que vous êtes en train de nous proposer une carte fidélité ou quand on a nos 10 coups, on a une, une audition gratuite? Hein <laughs> parce que ça... éventuellement, ça pourrait nous intéresser. Je suis certain que Damask peut nous dire exactement... Euh, Dans tous les cas, fin de journée, euh, Lynn, t'as un coup de fil de ton contact. Ouais. Il te dit, euh, je sais où ils crèchent euh, et il te donne aussi le nom de leur chef. Euh, par contre, il a pas pu organiser une, euh, une confrontation. Euh, il a appris que le gars euh, avait quelques ennuis avec les forces de l'ordre et ne les aime pas trop. Mais vous avez maintenant euh, l'adresse, donc... Euh, c'est un pavillon au 356 South Simpson, euh, à la, une rue à la frontière sud du ghetto. Et le, la personne s'appelle Marcellus Alberta Cortez. Enfin, tout le monde l'appelle Marcello. Il est italien. Et euh, bah vous faites un petit recherche sur le pédigré du jeune homme. Ouais. Euh... Si tu, peux, tu peux taper l'adresse que... Mais ça, ce serait le tueur, ça non, c'est le chat. Ah, le de qui a, qu a, qu a été buté. Ok, donc il devrait savoir où sont ses hommes normalement. Alors, lui, il a été, il a, plusieurs, il a beaucoup de crimes à son actif, euh, des, cri des crimes un peu plus violents. Euh, c'est aussi un spécialiste du vol de voiture. Il est soupçonné d'avoir commencé sa carrière par du carjacking. C'est horrible, je me suis fait carjacker. Je n'ai rien su faire. Très bonne réponse. J'ai pas, pas la ref. Du Mais En gros, ouais, vol de, avec violence de voiture. Euh, voilà, vous avez l'adresse. Et euh, clairement, le gang en question est sur les nerfs en ce moment. On se demande bien pourquoi. Moi, je vois deux raisons. Ah bon, bon une qui s'appelle les cops. Non. <laughs> euh, moi, j'aurais dit le RP de Mike, mais bon. What <laughs> oh, oh la vache, le tacle gratuit, oh quoi. Qu'est-ce qu'il a dit encore Ouais, bah je sais pas, on t'envoie faire une mission, tu, tu, tu te brouilles avec les deux mecs. Euh... Non mais écoute, Mike <laughs> il était tranquillement en train de commander des colliers pour son chat, vous avez voulu qu'il se batte avec des gangers, il était en dehors de son élément, on parle d'un mec dont la boisson préférée c'est du café noisette. Tu t'attendais à quoi <laughs> Tu vois, t'aurais envoyé un Denis tout de suite. Euh, non, il y a mais... Autre chose. Euh, mais oui, mais moi, je voulais, je voulais justement que le côté euh, café-noisette, euh, il, 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 il touche sur l'émotion, tu vois. Oui, il soit euh, un peu plus noir. Euh... <laughs> c'est n'importe quoi. Pardon. Euh, Mike demande au MJ d'intervenir pour le sauver et défendre son honneur. Le MJ fait une transition. <laughs> ok. Transition. <laughs> <C 'est magnifique. rire> oh, <ouais. rire> Donc, ailleurs, dans Los Angeles. <laughs> non, pas ailleurs. Vous avez fini votre journée de travail. Euh, de toute façon, on va pas tarder à arrêter, mais en gros, est-ce que vous avez autre chose à faire avant de, de rentrer chez vous ou euh, on passe rapidement un petit roleplay chez vous Non, c'est bon. Non, c'est bon. Bah, je me, je me demande si Denis on n'y va pas direct en fait. De quoi Chez le mec Bah, ouais. C'est sûr. De nuit ah, début euh... d'après-midi, je veux dire, parce que c'est 15h la fin de votre journée. Bah pourquoi pas Parce que du coup, on se pointe, euh, on fait le coup, de... on y va sans armes, sans enregistrement, sans badge, etc. On, que... on, on, on se pointe et, et tu tires, d'accord, ok. Et, euh, mmh. là, et après, du coup, on <laughs> discute avec le <laughs> gars, le on, lui dit que... <laughs> on lui oh dit non. que nous, ce qui nous intéresse, c'est trouver le, le gars qui a tué son, son mec, et puis euh, et qu'on veut pas l'emmerder, quoi. Et n'y a pas de. Ça va plus l'énerver hein qu'autre chose hein, de lui dire ça. Hein. Bah je sais pas. Eh on peut attendre quelques jours histoire que le la mésaventure de la maison soit un peu oubliée. Oui voilà, oui, on peut plutôt faire ça aussi. Mais euh... Moi j'aime bien battre le beurre quand il est chaud, tu vois. Non c'est le fer. Oui mais c'est pareil. Bah, non. Mais, mais, mais en... les ennemis face à moi c'est du beurre, c'est pas du fer. Euh... Le MJ prend ça pour un défi. <laughs> ça dépend lesquels, moi je me souviens d'un tank. <laughs> euh, c'est moi qui l'ai buté, hein. Tu veux rien dire. Hein. Oui, je suis d'accord, mais bon. Je me souviens d'un tank quand même. Euh... Risqué, non bah après, euh... après si tu votes contre, tu votes contre. Non mais c'est risqué, en fait. Après tu peux jouer la carte du j'ai une famille, des enfants, euh, voilà. Oui, faut que je, faut que je visite euh, des chats à nourrir. Euh... Bah, tu veux que pas que récupérer ça. une petite maison à Saint-Central Oui, bien sûr. Bon, transition vers Mike. Mike Oui. Le chat. Tu arrives chez toi. Le chat est là depuis déjà 24 heures. Euh, ton compagnon est. Chafouin, je dirais. Non. Si. Parce que le, le canapé s'est fait dépendant. défoncer par le chat qui a fait un nid à l'intérieur. C'est mignon Alors. Mignon n'est pas le terme qu'aurait choisi ton compagnon. Ouais. Voilà, c'est un peu l'idée Il n'a il pas, voilà, il, 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 il pas envie d'être euh, pas d'accord avec toi, mais d'un autre côté, euh, il n'est pas très content de, de ça. Bon, je vais la faire en mode classe. Je lui propose qu'on en parle au repas du soir. Et du coup, je lui prépare un petit truc maison. Je lui ai pris sa bouteille préférée de vin blanc. Et du coup, je lui ai dit que j'ai regardé des éducateurs pour comportement félin. Et que du coup, je vais prendre rendez-vous pour éduquer correctement ce chat. Et je lui glisse de manière extrêmement sensuelle au passage, car ça nous ferait un bon entraînement si jamais on pense à adopter. Et voilà Et Mike, il en a rien à foutre Il est trop stylé voilà, <laughs> il est trop amoureux. Voilà, son couple il est se passe trop bien. Mais ton compagnon, il est quand même euh, pas. Voilà, est... Il est quand même chafouin, même si il est content des, de, de ce que tu fais. Mais bon, il, il te connaît quand même un minimum. Oh. Vas-y, <laughs> quand même. Tout autour du pot. Tout de suite. De là à dire que c est, c est, ces façons détournées seraient une sorte de, de collet qui déteindrait sur toi. On n'est pas, pas loin Ah, ça c'est sûr et certain. <laughs> Mike est corrompu. Dans tous les cas, il accepte le chat, mais euh, bah, il espère que, genre, on n'est pas à racheter un canapé tous les jours. Bon, euh, n'empêche que Mike a pris bonne note derrière ses airs de, de, de petit goguenard et qu'il va tout nettoyer et réparer le canapé au mieux. Ça va être compliqué, pour moi passe un une bonne nuit une, une très mauvaise nuit avec ce putain de canapé qui te saoule en fait hein. par de contre le chat est tout content ah bah oui le chat est content évidemment il vit un chat est ce que, est -ce non, que oui. le chat il a rencontré le chat du service cops non mais je pense que je vais le ramener au travail demain euh, voilà, c'est le lieutenant qui va, te, qui va te dire de réparer tous les canapés du, du jeu <laughs> il va le faire avec un petit peu moins de compassion que ton compagnon ah, mais si je lui fais le coup de la bouteille de vin blanc est-ce que lui aussi il sera pas charmé par euh, mes subtils charmes alors c non. des ah, rumeurs c du, du du de votre euh, votre supérieur euh, il serait, les rumeurs veulent qu'il soit guerre hein. mais on n'est pas sûr mais le vin blanc ah, mais, mais j'ai pas glancé dans ce genre de truc moi voilà mais le vin blanc je suis pas sûr que ça soit ça, voilà mais euh, si jouer son charme ça peut peut-être marcher. Ça, je... Moi, dans pas tous les cas, hein. euh, le... Je passe à Juan. Si. Donc tu rentres dans ton nouveau chez-toi. Hein. Bah oui. Euh, comment s'appelle euh... ben, Mince. Emily... Ta soeur, euh... ta fille, ta compagne accrochent à, à, à des crochets de boucher euh... Jou a fait un trou dans le cadre... Non, c'est pas ça. <laughs> oh oh non je t'avais dit de te faire les griffes d'abord. <laughs> euh, euh, travail de nuit. Donc vous avez les horaires décalés toute la semaine. Ah mince. Bah écoute, euh, je, je pense que euh, elle va me faire le... Enfin, elle fait 14h23, donc en gros, vous pouvez vous voir de 23h à 7h du mat. <laughs> C'est plus qu'il en faut pour faire ce qu'on doit faire. <laughs> ouais, que... cest à dormir. Non. Non. Voilà, non, mais on, va, on va essayer de, de gérer ça du mieux qu'on peut. Et Par on... contre, Emilia, elle n'est bah, pas à l'école. Non. En vacance d'été Elle n'est pas en vacances, là. Bah, elle te dit que là, euh, les profs, ils ont dit que euh, pour cette année, elle avait tout bien passé, qu'elle pouvait se reposer. Donc, elle, elle reste à la maison. On est le 7 juin. On est le 7 juin. En même temps, ça fait un peu école française. <laughs> non, c'est... je faudrait que... faudrait que voir pour euh, poser la question à l'école et tout. Elle a ses bulletins et tout euh... Euh, Ouais, enfin, euh, sûrement, ça te dit. Sûrement, il est ouais. Mais il la laisse re se reposer parce que la viande sera meilleure après le sacrifice humain. Le... Mmh... Je voudrais ouais, quand même jeter un coup d'œil au bulletin parce que bon, euh, c'est gentil. Bah, tu dis, euh... c'est eux qui l'ont. Ah, mais ils les envoie, normalement. Ou euh, ils sur bah, oui, 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 Internet. Oui, oui sûrement. On, euh, ouais, ou sur Internet, ouais, oui, c'est ça. ça. Pour... Bah, en effet, elle a des notes parfaites partout. Parce qu'ils vont la sacrifier. <laughs> Alors, je suis très content, forcément. Et je lui dis. Mais ça me laisse un petit goût de pas forcément véritable. De merde. Hmm. C'est quoi, Elle te regarde avec un grand sourire. Tu te souviens de ce qu'on a, a discuté a... il y a quelques temps sur. Euh... Elle a piraté l'école. Ouais, mais justement, là, ce qu'on s'était dit sur. Euh des secondes chances et le fait que euh, il fallait euh, donner une elle te dit de... qu'elle est très contente que tu aies donné cette seconde chance dans cette école et que ça se passe aussi bien mmh. écoute je te fais confiance clairement donc euh, si tu me dis que mais tu vas pas rester comme ça euh, la journée dans la maison euh... Il faudrait, il faudrait que tu t'occupes, tu veux pas t'inscrire sur un club... On fait l'infiltrer dans un gang de, dans ta Non, ouais, mais train. te dit de toute façon, euh, euh, comment ça s'appelle Il elle, elle euh, y a des clubs sportifs au lycée, de, enfin au, à l'école. Elle y va, euh, ce... alors c'est pas tous les jours, mais elle y va de temps en temps, en fait, euh, l'après-midi. Ok. Bah, euh, Dis-moi quand, tiens, je, je voudrais bien voir euh, ce que tu fais là-bas, ça, 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 ça m'intéresse. Bah, il faut que tu prennes rendez-vous avec le principal pour euh, venir. C'est pas elle qui décide. Oui, mais bon, tu, tu me dis que justement, tu passes un. Bah, elle te donne son emploi du temps, en fait. Hein. Bah voilà, comme ça. Et puis, au, au pire, j'essaierai de te récupérer un jour quand je peux. Ce serait sympa. Là, elle te regarde du genre, elle croit plus au Père Noël depuis longtemps. <rire> <rire> on, on, on essaiera. On a bien dit qu'on essaiera. Mais bon. Mais je garde quelque chose. Euh... <laughs> C'était quoi ça? Rien, rien. J'aurais tellement eu avec Emily que. Je... L'arrière-goût, quoi. Voilà, c'est ça. Il y, a un, y a un petit quelque chose. Mm. Ça, je suis certain que c'est la, la mauvaise influence de Lynn, ça. Je suis certain. Sûr! Sure. Pourquoi vous pensez mm. que Lynn a toujours une mauvaise influence? Laissez-la mais tranquille, Lynn, oh là là! Euh. C'est parce qu'elle a ouais. une mauvaise influence, clairement, c'est tout. C'est pas parce que t'échoues dans ta carrière par un dalle faut que tu remettes ton, sur la responsabilité de l'île, quoi. En, en plus, t'oublies oubli, quelqu'un d'autre aussi, hein, mon cher Juan. Ta sœur. Alors, non, parce que je pense que... Y a, ta soeur, y a, elle traîne je... pas beaucoup de... Voilà, c'est ça. A... Et euh, t'inquiète. Et, 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 et regarde, Émilie, j'en suis pas mal occupé. Elle a bien fini, hein. <laughs> Regarde ses notes. Ouais. <laughs> enfin, pas, pas Emily, euh, Maria plutôt. Euh, ouais, euh, justement. Je... C'est bien ce que je disais. Hein. Elle la fini, au... fini au SWAT. Comme mon père. Ouais. Oh, regarde s'il si est devenu Pendant ce temps. Linn. Ouais. Euh, Ta coloc, euh, préparer... quand tu rentres chez toi, elle est en train de préparer en fait un... des bagages. Et elle est contente de te voir parce que elle te, bah justement, elle te, elle là, euh, Lynn, je vais devoir m'absenter euh, quelques jours, peut-être un peu plus. Je vais à San Francisco, j'ai un gros reportage à faire sur place. Euh, bon, bah, okay. voilà, euh, elle te file les clés de sa bagnole euh, parce qu'elle y va en train. Ok. Euh... Et, alors, oh, elle te dit clairement qu'elle a aucune envie que tu dis sa bagnole dans le cadre de, ton, <rire> <rire> de tes enquêtes. Oui. Alors, a pas de problème. Elle euh... a entendu des rumeurs. Mais du coup, euh, as... Enfin, ton, ton enquête euh, à, à San Francisco, il n'y a, y a rien de dangereux. Je pas de raison de m'inquiéter. Donc, je dois y aller. Ben, bah, appelle-moi tous les soirs. Pour <laughs> me dire que tout va bien. Hein bon, je t'enverrai un SMS. Voilà. Mais ouais, San Francisco, et euh, elle te dit clairement, si l'enquête euh, pense y passer euh, quelques jours, peut-être plus, et euh, si euh, ce qu'elle pense de l'enquête se déroule, euh, elle ira peut-être après à Sacramento euh, poursuivre l'enquête. Euh, je lui donne le le euh, par balle au cas où. <laughs> est trop... elle te regarde euh... je sais pas je sais pas oh. ce que tu vas faire hein. ça me regarde pas mais... ouais bon elle, elle prend le gilet par balles parce dans que elle, elle a pas envie de, ouais. de lutter pour expliquer quoi le comment. après voilà c'est sûr que si ça voilà on sait jamais mais euh... dans tous les cas bah, elle te demande si tu peux la déposer euh... comment s'appelle oui, bien le... sûr euh... bien sûr à la gare ouais qui fait que t'as ouais. la maison euh, quasiment pour la semaine pour toi bah, on y va avec sa voiture ou elle veut aller en moto. Des bah bagages donc c'est mieux la voiture. Ouais, c'est mieux la voiture. Non bah oui, je prends la voiture et puis on je la dépose à, à la à la carte. Euh, Elle, elle pendant... veut que je la combats sur le quai ou pas <laughs> Si t'as envie. <laughs> je veux dire, elle, elle t'empêchera pas de le faire. Tu viens lui donner un gilet par balles donc elle se dit que t'es que t'es inquiet. <laughs> bah en même temps tu lui te poses la question, est-ce que c'est dangereux Elle est silencieuse alors. Tu... Oui, je sais, ouais, mais parce que c'est oh, plus drôle. Que... <laughs> bon, euh, du coup... Euh... Ah. Euh, non, bah, dans tous mais... les cas, elle sait que euh, s'il y a un souci, elle doit t'envoyer un SMS avec Parker Ornithorank. C'est ça. <laughs> ça, c'est bien. Et qu'elle arrivera dans les 10 heures. Alors, euh, 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 c'est pas grave, c'est toujours l'orthographe. Hein. <laughs> c'est pas, pas facile à écrire, quand même. Mais... <laughs> Non non, mais après euh, bah, c'est cool euh, j'ai la barre pour moi ok c'est noté oh je vais pouvoir euh, je vais pouvoir euh, regarder la télévision à poil me frotter contre les murs trop bien ouais, quoi c'est ça les gens chelous quand ils sont seuls <laughs> ouais c'est ça quoi bah, je le fais parce que je peux c'est tout il y a plein de choses que tu peux faire, mais t'es pas obligé. Hein <laughs> euh... Les amis, je dois vous laisser, je suis fatigué. Bon, il reste encore quelques minutes, mais comme tu veux. Non, bah s'il reste quelques minutes, je reste. Ben, je faisais Denis et je faisais un petit cliff, enfin euh, petit euh, deux, trois infos pour la suite, et puis j'arrêtais là. Denis. Oui. Euh... Ben, en fait, euh, ta compagne a trouvé un appartement qui pourrait aller. Ah. Il faut dégager oh, les jumelles. Ouais, non, mais en fait, le truc c'est qu'elles sont devenues super potes et donc du coup, vivre sous le même toit avec les jumelles ne la dérange plus. Euh... C'est ça l'histoire. Hein oui, bah en fait, euh, même en étant super potes, en fait, euh, elle veut les dépanner en fait, surtout. Euh, par contre, euh, le problème c'est que l'appartement sera à Van Nuys. Donc on s'éloigne vraiment là pour le coup. Euh... Et ah oui. c est, c est il, est, il est pas cher, mais c'est le quartier de la pornographie. Ah, ouais. Alors, après c'est. Alors elle te, elle te dit l'appart est génial, mais c'est le quartier de la pornographie et euh, on va avoir, on a un enfant quoi. Et, ouais. euh, les, moi, voilà c'est pas c'est pas trop. Donc euh, elle attend tes conseils ou tes. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire à tout ça? Euh... Ouais, l'appart c'est cool, machin et compagnie, mais bon, vu le quartier, c'est pas. Dans les mêmes, dans... Ah, bah non, vu que c'est plus grand, c'est plus cher, du coup, mais euh, vu qu'on est euh, potentiellement quatre à pouvoir payer, enfin. Voilà. Ça va faire une grande coloc, quoi. Ça va faire une grande coloc, mais. Euh... Ouais, vu qu'il y a l'enfant, euh, c'est ter... vraiment pas terrible, quoi. Ça peut être. Alors. Je le vois comme ça, vu que l'enfant est en bas âge, ça peut être un dépannage temporaire. Euh, histoire de pouvoir s'aérer et, et avoir nos no places euh, à, à chacun. Pour, mm -hmm. euh, pour ensuite euh, peut-être trouver quelque chose d'un peu mieux, mais dans un autre quartier, quoi. Ou de à peu près identique. Ok. On peut faire ça. Mais c'est euh, genre. Euh... Euh, grand maximum, quelques, mois. Euh, de, euh, quelques mois, voire euh, un an, euh, grand maximum. Quoi. Ok. On peut faire ça. ça me... Mais c'est vrai qu'on passe de Venice Beach, c'est ça Dans tous les cas, elle aimerait bien que tu viennes visiter aussi pour. Euh, ouais, euh, bon, pour on, on, fait, on fait ça quand je finis à 15h, machin. Euh... Bah, tu le planifies, moi je le marque sur le planning. Yes, on planifie pour. Attends, on est lundi là, c'est ça On est lundi 7 juin 2032. Euh... Faire ça pour mercredi 18h, c'est marqué. Ouais, faut pas que je l'oublie que c'est dans deux semaines, quoi. <laughs> ah non, non même plus, non, non, c'est dans deux jours, oui, non, mais c'est dans deux jours, mais c'est dans deux semaines, euh... pas forcément. Voilà, ouais, ça dépend la vitesse. Euh... Le lendemain, le lendemain, donc euh, vous faites encore un, un petit débrief, etc. Et il y a des éléments en plus sur l'enquête, et je m'arrêterai après vous avoir donné les éléments. Alors, je reprends le petit, mon petit, les petits éléments. Donc, euh, donc le rémoré d'épuisance, on sait. L'hydrogène, c'est un petit élément. L'acide euh, utilisé pour le défigurer est un acide particulier, le gelatro. Je vais le marquer. Hein. Il y avait ah. c'est ça Il y avait trop de gel, quoi. Euh, il est utilisé surtout pour nettoyer le matériel chirurgical. Il nettoie les éléments organiques mais n'atterre pas le plastique. Le masque, quant à lui, les analyses sur le masque, bah, c'est un masque classique qu'on trouve dans toutes les boutiques de déguisement de farce et attrape. Euh, par contre, la victime a dû le porter un certain temps car il est souillé, des résidus de bave indiquent qu'elle avait un baillon pendant tout ce, tout ce temps. En gros, quand elle, a, quand elle était euh, encore en vie, elle avait, le mas... elle avait forte chance qu'elle avait le masque aussi sur le visage. Mais du coup, on a aspergé l'acide en... après avoir enlevé le masque euh, Sur le masque. Sur le en masque fait. Mais le masque euh, n'est pas. Ça veut dire que l'acide ne réagit pas au masque. Ça veut dire que l'acide est rentré par les trous des yeux, ouais. du nez et de la bouche. Ouais Et euh, aussi sur, euh, sur le haut du visage, les cheveux, les machins, enfin. Ouais. Ça, ça me donne pas le détail si la personne a été immergée avec le masque euh, sur la gueule ou dans l'acide ou euh, si ça a été versé dessus, mais voilà. C est, c est... Donc euh, mort d'épuisement. Euh, donc clairement, il n'est pas mort au supermarché. Euh, malnutrition, mauvais traitement. Il a donc des coups dans le dos et sur les épaules. Il a euh, donc baillon, genre bâillon à boule, lien de cuir. Ses poignets étaient attachés pendant plusieurs jours. Des traces de nourriture. Sur sous ses vêtements a qu'il était nourri avec des peaux de bébé. C'est probablement pas des sévices sexuels, acide défiguré. Bon, tout ça, ouais, je vais tout donner, tous les éléments. Euh... C'est donc un suicide. Non, c'est un lupus. C'est un accident. À Marseille. <laughs> <laughs> c'est sur ces diagnostics que nous finirons. Euh... Et donc, la morale de cette histoire, c'est méfiez-vous des peaux de bébé. Ouais. Voilà, donc, euh, bah, suite la semaine prochaine. Il okay. y avait un truc, il oui. y, y, la... y avait une semaine ou... la semaine prochaine Oui, ouais, la, la, la... la semaine prochaine, c'est la semaine d'après, oui. c'est dans... Ouais, dans deux semaines, oui. il n'y a pas de partie. Non, c'est la semaine prochaine, dès que c'est le 28. Oui, oui. le 28. Retour le 7. Yes. Yes. Alors, hop, juste un petit truc. Voilà. Voilà, juste pour. Hum. Et euh, du coup, euh, bah, je merci pour la partie tout, tout ça. Et je vais enregistrer et arrêter les enregistrements. La bonne nuit, la bonne journée, la bonne soirée. Bref, quand vous écoutez quoi. Et on vous fait des bisous, liker, voilà. commenter, tout ça. Ouais.